C'est que bah je vais rien vous dire, vous allez C'est découvrir par Terra, hein. vous-même. C'est Terra qui dit film, hein, les gens C'est chez lui qui l'a réalisé. Scripted. J'ai concocté un petit film là. C'est mon cousin hein, que j'ai filmé. Voilà, donc on va regarder On ça. dirait des nouvelles. Bah vas-y, hein, lance-moi ça, moi je suis chaud. Lance-moi cette merde. Ok, je lance. Pas mal la musique là. Pa pa na pa na pa 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 na pa na pa Je vous monte un peu là. Hop. All the single ladies. Oh, le single lady. Who runs the world? Run the world! Jewish Réponds people. pas. Mais non, je n'y réponds pas. Parti. Bon. Alors, je t'écris Alors. afin de te donner de ma nouvelle. Parce qu'on peut pas dire que toi, t'en prends. Commence bien. C'est bien beau de dire que tu m'aimes, que je suis ton fils adoré, mais faut le montrer et non le dire. Je sais que j'étais pas désiré, mais faut mieux me faire abuser que faire Pardon. avorter. On fait pas un gosse à 20 ans pour toucher les allocations familiales, Comment mais ça? parce qu'on le veut et qu'on fera tout pour son bonheur. Tu sais très bien que mon abruti de père ne Oh, me la sert à rien, respiration. il a déjà peur de moi, alors c'est pas pour te dire quelque chose à toi. La carrière Mais de bon, Yann il est en Ougière, elle a 2020, que commencé tu m'as quelque écrit, part. Hein. et tout ce qui est souligné, ce sont les mots que tu m'as dit, et moi je veux savoir si tu as Oh écrit là là, ça c'est long. Elle est vraiment à nue, jeun hein? ou bourré. Et si vraiment Évidemment tu le qu'elle est nue. penses, sache que d'ici quelques On jours, doit à je peine vais nu, retourner le au cœur Cameroun. ouvert, Je n'ai pas Hugo. voulu et rien fait pour ça, car mon Vous propriétaire va sentez faire des cette travaux dans les énergie? champs. Il y a deux chambres et il va Vous faire un sentez cette appartement à la chambre toute place. pourrie qui J'ai pue le cherché des chambres sperme? partout, il n'y en a pas. T'as mais Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a qu'il y a sur le de magnifique chauffage comme là? caution? Et vu que j'ai plus de C'est une taf, machine à laver je Linux pense qui que s'est tu vas devoir sono, c'est la sono. Ah Une fois putain, que tu as un d'accord. Ah oui, appartement j'avoue. périllé et qu'il n'y a personne dedans, je me dis peut-être que tu Qu'est-ce pourrais me qu'il le dit là? prêter. En Mais attendant, ta il faut gueule. peut-être Ouais, que je l'ai je envoyé trouve à un sa logement mère. ailleurs. En plus, Oui, je vais bah peut-être sa mère travailler au elle est plus Venezuela. là, donc elle Il pourra va y en plus la avoir un lire. coûtant sans juin, car j'ai donné ma lettre de candidature à l'ANPE. Mais il faudra que je trouve un C'est ça moyen de qu'il dit à sa pression pour mère. rembourser. Message Je n'ai d'amour. pas de tes nouvelles oralement ou par 2 minutes écrit, d'émission. alors je considérerais que je ne suis plus ton fils. Alors j'oublierai très vite que tu es ma mère et ne voudrais plus entendre parler de toi. Je te laisse de mon stylo, mais pas de mon Lettre à la cœur, France, et hein. espère que cette lettre te fera plaisir. Ton fils Oh, le Kiton, d'ailleurs. petit poster de Bob Marley là. Et avec ça, si elle comprend pas, Le batteur de femmes. Lobby. C'est qu'il roman, elle a rien en pois chiche. T'as Rien entendu au ce qu'il pois a dit? chiche. Rien au pois chiche. Et espère Attends, que cette regarde. lettre te fera plaisir. Ton fils Il a dit. Kiton, d'ailleurs. Mais il parle de sa mère, hein. Avec ça, si elle comprend pas, c'est une fiasse, ça va. C'est un roman, elle a rien de Oh la Cette grosse vache! connasse de merde! Ah, c'est chez Pota! Ouais! Mais c'est pas chez moi, ça. Si, 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 si. Hein. C'est C'est ton moi, frère. hein. Je sors fumer une clope là. Oh, petit live stream terminé, on va fumer. Oh, je sais qu'il avait un chapeau, mais c'est juste un bandeau en Attends, fait. le bandeau Mais là! on n'est pas au ski, hein! Alors là. Vous avez une rage de dents, monsieur? Vous êtes fait mal. Vous êtes fait mal à la tête, espèce de Vous êtes débile. allé en Frankenstein! Oh le vieux fond d'écran! Donc, Merci si Gérard, je te petite rappelle, banane, nous on merci en avait déjà beaucoup. fait un par Merci rapport à Yorinaris, notre merci existence. Donc, Frus, merci Recas, comme on avait déjà merci fait Gérard, une merci excellente Timord, année, si merci ma mémoire beaucoup. est bonne. C'est combien qu'on a en tout? Alors là, la demande par rapport à la subsistance pour une personne Vous avez seule, trop c'est réfléchi, monsieur. 1 700 francs maximum. Alors, j'ai mis que tu étais dans l'attente de la réponse ANPE concernant le recrutement McDo, que tu percevais plus d'acidique, et puis que tu étais aussi dans l'attente Il du comprend pas. Acidique. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est qui lui? comme ça, maintenant que je peux l'envoyer. Je fais comment en attendant que L'encul? je puisse Hein? déjà avoir La femme enculée, il a dit? J'entends ça aussi. Hein. Venir à mes besoins parce que moi j'ai pas vu que j'ai pas d'argent. Vous pouvez articuler, monsieur. Vous avez pas d'argent, je monsieur, ça se voit pas. Je vais rentrer en prison. Ça se voit pas. Je comprends rien de ce qu'il dit. J'en dis bah non parce que je C'est au vais max, pas ça? ça change rien. Bah, c'est pas nous qui te conseillons de piquer. Bah non, mais. Alors est-ce que tu peux dire en me regardant dans les yeux que j'ai Parce jamais qu'il se demandé de drogue. colis alimentaire pour toi? Ah. Attends, De toute attends. façon, tout ce qu'ils aiment, c'est. La plupart du temps, ils donnent les mêmes machins, des boîtes de haricots, des boîtes de raviolis ou des machins comme ça, et des Il veut brioches quoi? et des Il veut de Tasmanie ou quoi là? Rien du tout! Participer à Zedlan. J'aurais aucune chance contre le FC Fleur, je vous le dis. Mon speedrun valet, mais je Ah, suis allé par contre, son perdre. sweat il est classique. Hein. Vas-y, y'a quoi dessus? C'est un Voir. champion? Trop beau sweat. Non, en vrai, c'est un sweat champion, ça se vend Ah 60 bah balles aujourd'hui. regardez la Hein. daronne.
Oh, la petite mèche. Il est en face de moi. Donc, le monsieur est suivi en fait par Monique. Mais là, il voulait un petit dépannage alimentaire. Ah, donc, c'est un village où ils savent tous pas parler. Il a trop mal à la tête. Ce soir, parce qu'il ira bien normalement demain matin à 9h30. Beaucoup trop sérieux, bon temps. Mais c'est pas avant au moins la semaine prochaine, lundi. C'est quoi que vous aimez pas déjà dans votre colis? Des choucroutes, tout ça? Ouais, pas de porte. Non, pas de porte. Ça, si ah oui. Ça bien, mais oui, tu veux oublier ça. Si y'avait de la viande, comme ça, ce serait bien. Ouais, mais des raviolis, cassoulet? Non? Bah non, vous avez... Ouais, c'est pas le choix. En deux secondes. On n'est pas très très bien. Ah, je sais pas, c'est la pensée qu'il y a. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui reste là-haut comme... Bon, on regarde ce qu'il y a. J'ai rien compris, hein. Mais ça parle en fait, de drogue, de ravioli. Pas ce qu'il dit, En gros, il est à l'ANPE, il veut des aides, il veut des aides sociales pour avoir des thunes. Okay. Mmh. Ça, c'est la NPE. Et là, en l'occurrence, il voulait de l'aide alimentaire, il voulait de la bouffe, et il disait que c'est quoi de bouffe. Genre, il aime pas ce qu'il y a dedans. Ah. C'est pas comme ça qu'on. Dans l'armoire, là, normalement. C'est comme ça que j'imaginais la vie. Oh là là. Le torchon en guise de. Les flics ils m'accusent d'avoir vu l'Audi 80. Torchon à sperme. Attends. Ils ont téléphoné à plein et tout ça. Ouais, on a vu votre Audi, mais y'a pas moyen, j'étais en garde à vue. Pour un tracteur à pédale à 11 euros, j'en ai rien. Pareil, les flics ils me cherchaient. Ça fait long, il y a longtemps, ça remonte une histoire. Ils me cherchaient comme ça, tu sais quoi, les flics pendant 6 mois ils me cherchaient. Ça faisait 6 mois qu'ils me cherchaient. Ils on dit au cas où tu sais, je vais juste de sortir de prison. Les flics ils me cherchaient. Ouais, on vous cherchait et tout, ça fait 6 mois, vous avez fait des braquages, des machins et tout. Je fais rien, je fais ah ouais, t'es sûr. Avec le commissariat, je sais pas, téléphoné à la maison d'arrêt, je fais. Personne l'écoute dans la chambre. Il est en train de faire son café, l'autre là, il s'en bat. C'est le nom, là. J'étais sur Minecraft de 16 heures. Oh, c'est de la ligne du règlement. C'est du parfum. Pourquoi le scorpion. La vérité en face. Non, c'est pas moyen. La police dehors. Ouais, c'est clair, de toute façon. Mais il a 38 000 ans, lui. Les grosses têtes, c'est son daron ou c'est son machin qu'on PDG. Je sais pas, on dirait il a 38 ans. Nous, on va s'expliquer, y'a pas moyen. T'as trop le petit là. J'ai tatoué ma chérie. L'avion gratos, tout ça. C'est clair, le Chirac. Le Chirac dans moi, faut pas que je plonge parce que ça, c'est clair. Je fais de la tôle, je te jure. Je te jure. Jacques Mesrine sera rien à côté de moi. Ah ben dis donc. Jacques, fais attention. Le remorque, puis un petit machin à 100 euros. On a rien à foutre dans 100 euros. Hein. On leur fout dans la gueule le tracteur. Les liaisons dans le cas. Il prend le. Ça vient de ça, hein. Avec qui il s'est bien déguisé comme Jacques Mesrine. Si avec moi, t'auras avec sa petite problème, coupe là. C'est les autres, tu vois. T'aurais fait ça, t'arrêtes avec moi. Il va se vacciner. La dernière fois que t'as fait ça avec les autres machins. Attention. C'était pour s'amuser, c'est rien ce qu'on a fait. Regarde ton téléphone sur l'épaule. Je te dis, je t'ai fait un truc de shit. Regarde les boîtes Reebok derrière. Il est de l'autre côté, hein. Le caméraman est aussi débile que. Hein. Si t'es avec moi, y'a pas de problème. Je t'ai dit, le 15 jours après, mon pote, tu peux t'acheter un BM tout de suite. Bon, ça m'intéresse pas, BM. Bon, écoute, mec, c'est comme ça, c'est pas fait parler. Prenez exemple, les jeunes, vaccinez-vous. Non, le vaccin, attention, ça va, le téléphone. Oh, ça marche de trop. Oh putain, plaisir, une bombe vol en moins. Oh, le style, j'aime trop. Si. Paillot. Les mecs, qu'est-ce que vous empêche de vous habiller comme ça? Petite doudoune. Ah, Versailles. C'est chez lui, hein. McDonald's recherche. Ça, c'est un bon métier pour un homme comme ça. Ah, il crée juin 2002. Je sais toujours que si lui prépare mon burger, je croque pas dedans. C'est trop convaincant. Quelqu'un dans le chat qui a dit c'est bon. Gouffage D. Ah ouais, non, c'est pas convaincu ou quoi là. Bonjour, attends, Romain, je veux de l'aide. Il a dit quoi, Romain, avant. Pas faire la queue. Ça passe devant là-haut. Ah ouais, non, mais bon, on sait pas faire la queue ou quoi là. Ah si, moi j'étais là, tu vois, il y avait la. Eh, la vieillesse là. Si, moi je suis pas à 5 minutes. J'étais là. La vieillesse, t'as pas sucé ton mari. Normand, je mettrais des clubs dans ta gueule, t'as pas une meuf toi. Ah bon. Putain, les mecs quoi. Pardon. Attention, hein. Il a dit. Les mecs. On va faire les mecs, ouais. Non, je venais voir une conseillère pour parce que. Je voulais frapper la vieille, mais je me suis calmé. Moi, j'ai pour taper les vieilles. Jacques Chirac. Jacques Chirac, on l'a retrouvé. De ouf. Alors, ça, c'est la. Il est malade, en plus, il fait ça devant les caméras. Il agresse une meuf devant la fille qui doit lui trouver un taf. Et après, il va faire le gentil. Je voudrais trouver un emploi. Qu'il aurait été quand même mes qualités, bah, très sociales. Calme. Si je vous l'amène là pour savoir si c'est bon, et après je le retape, il sera retapé comme un sou, comme c'est marqué. Je vais le taper moi, comme la vieille à côté. J'ai l'impression de me dire qu'il faut le retaper, je vais pas faire ça non plus 36 fois. Il y a quelques fautes quand même.
Ah non, j'en ai faux, elle va les corriger. Ah bah j'imagine bien. Ah, la secrétaire l'a payé aussi. Oh bah vous avez un rubis en dessous, c'est bon. Si c'est la secrétaire qui corrige. Tiens au courant que nous n'écrivons pas de droite à gauche. Si vous le retapez, pas de problème. Dès que vous le retapez, d'accord. Parce que moi je ne le prends pas comme ça. Non, je sais très bien, je n'ai pas donné un CV comme ça. Attention, elle a démarré là. Mais c'est juste pour savoir si ça correspondait, si c'était bon. Voilà, c'est juste ce que je voulais savoir. Pour qu'après il soit refait au après, si tu veux, on peut se parler. D'accord. On peut faire un ok, donc vous faites refaire. Voilà, c'est juste que moi je voulais vous savoir avez si donc bon le recrutement, il a lieu donc juste le 28. Le 28. Entendu, voilà. Monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et toi que je te recroise pas, la vieillesse. Regarde, il va foutre un coup de pression avec l'épaule. Il va la faire rêve briquer. Pas, rêve pas, mamie. Oh, la maison de rêve. C'est la famille. Le frame stream. Oh là. Très belle bite, frérot. Bon, là, je vais me foutre à poil ouais, devant la cam. Ah, belle télé aussi, hein. Pas de son. on sent qu'il y a une humeur joyeuse. La matinale de le stream. Et bienvenue, c'est le matin. Oh la vache. Oh le pauvre, en vrai, putain. Ah bah... 51, petit hippopotame. Oh, mais une petite journée, tranquille. Hop, 15h. J'espère que j'ai eu cette offre au bon coup. J'ai fait bonne impression hier. Oh là, la vieille, faut pas qu'elle le dépasse. Parce que là, je lui fais un croche, je n'imagine pas l'état de la vieille. Il a un casque. Hein. Il est où là? Il est où? Il va faire son entrée comme l'Undertaker là. Oh, il va casser par le mur. Et si j'entrais par la fenêtre pour faire bonne impression? Et si je crocheterais la porte? Oh le loup. Et ça c'est du bon ça. Oh comment il se déplace aussi. Pas non plus c'est... Comment ça elle est bonne? Elle est bonne en plus. Attends, il a quand même dit elle est bonne. Non mais comment il part? Mais c'est un truc de ouf hein. Ah mais du coup on a pas vu ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est où, là? Il est venu demander pour les... Ah c'est Hugo qui déménage. Ouais, c'est moi qui ai déménagé dans le sud de la France. Regardez mon nouveau setup. Putain, Manuel, avec... tu pourrais m'aider à monter la table basse, merde. Hugo, stylé ton pastis 51 en setup là. Attention, juste les déménageurs. Vaisselle avec un S. Hein. Il sera trouvé dehors. Oh le petit cigare. Il y en a plusieurs. À la Pablo. Faut pas changer. T'as un cigare ou pas? Faut caler sa clope entre les dents. En attendant, je suis là donc. Ah non, c'est une bague, hein. Je suis pas dehors. Qu'est-ce qui... Pourquoi il met des pansements sur ses mère, doigts? Ma mère va pas donner son appartement. Il fera prêt pas sur le mur quand même. Donc ça qu'est-ce qu'il a dit? En attendant, je suis là donc. Je suis pas dehors. Ma mère elle va pas donner son appartement, c'est une grosse pute. Voilà, j'avais bien entendu une dinguerie. Une insulte à chaque phrase. Il la kiffe. J'espère que je la belle vie. On va pas faire des gamins, reste le rêve américain. Ce faire. Le French encore, Dream, les mecs. Ceux qui étaient au foyer, mais je m'occupe pas de ces gamins. Le foyer, ça me dit quelque chose. Quand je vois mon foyer piquer les bouteilles de whisky, quand on habitait à Danemarie-les-Lys en Seine-et-Marne. Pas compris. J'ai compris que whisky, hein. Puis un jour, moi, je me suis fait attraper, puis ma madame, elle était pas bonne. À cause de sa gueule. Pas compris encore. Envoyer ces gamins piquer de l'alcool. Franchement, j'ai jamais vu ça. Encore, on a piqué de la bouffe, ce serait normal. Mais ouais, tu vois que même la daronne, c'est une grosse cassos aussi. Mais ça a l'air d'être. Mais non. Un héritage familial. Ah, c'est de mère en fils, ça. C'est le seigneur des anneaux. Ouais, bon. Mon avis, c'est beau tout de suite encore. Hey, schlinger. Là, en gros, il a tué la vieille. On est dans le truc vaisselle, là. Schlinger. Ah non. Je commence à me faire chier. Galérer, ah tu te fais là. Chier. Tu rentres chez toi, t'as pas de meuf. Tu te fais chier. C'est j'aurais pas dit. Je pensais que t'en avais une. Parce que je veux savoir avoir des enfants. Ah bah. Non, c'est une mauvaise idée. C'est trop génial. On te le souhaite. Enfant, c'est plus beau qu'un avec la vieille que t'as agressée. Faut s'arrêter là. Imagine-le à McDo avec des jambes, mais il tient pas 2 heures. Hein. Mais tu veux quoi la connasse là? Tu veux ton testis? Tu veux oublier la sauce? Je vais t'emmener. Attention, de retour. Le débardeur. Est-ce qu'il a eu le poste chez McDo?
Attention. Charbon. Allez. Ah ouais. Il n'y a pas mon nom, doit y avoir un problème de... Je sais pas lire son nom, il est dedans. C'est bon, je suis pris. Il va se ramener demain avec sa petite casquette. Ils seront 27. Non mais t'es pas dedans, hein, je crois. Le petit nez là. Ah, fais chier. Putain, mais le style là, avec le truc sur les oreilles, c'est la première fois. Attendez, la fin est avant-gueur. Hein. Ah, c'est là la fin là? Ouais, tu vas voir. Ah, je me tais. Qu'est-ce que c'est? Il fait de la fausse monnaie d'un coup. Devant putain. Le caméraman, devant tout le monde. Rien à foutre. Mais ça, mais c'est 1$. Allez hop, 2$ maintenant, vous faites quoi les losers? Surtout si il peut pas l'utiliser en France. Quelque chose de bizarre, madame, sur mon billet, il y a que le recto, mais bon. Attends, parce que moi, c'était pas très que le recto, il y a moitié le billet. Ah non, mais c'est non, mais au max, hein. C'est pour tout le monde pareil, on est au max, c'est juste que la vidéo, elle est trop faible de ouf, genre... Ah non, moi je suis pas au max, mais... Attends. Même au max, le son en vrai, il est faible. Hein. Ouais, mais j'ai regardé ton live vite fait, ça s'entend. Hein. C'est juste quand on parle que c'est... Je vais le mettre sur Google, comme ça. Non, mais ça changera rien, t'inquiète. Hein. Non, mais je peux saturer. De la vidéo, il est... Il y a un truc pour saturer le son. Ah, ok. Bah vas-y, mets-en une autre. Ouais, alors il y en a un, vraiment, c'est ma... Mais quoi? Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Pour moi, il est pépite, mais... Faut que je le retrouve vite fait. Je sais que c'est avec les bourgeois qui viennent s'installer à la campagne. Alors, ah mais celui-là je l'ai pas vu du coup. Laisse-moi 2 secondes que je réussisse à le retrouver. Mais je crois que moi du coup c'était l'autre de nez cassé que j'avais vu. C'était pas celui-là. Ah, il y en a un deuxième. Ouais, il y en a deux. Où il était dans un champ, j'avais vu. Il y en a plusieurs de nez cassés en France. C'est... Ok, je l'ai. Vas-y. Je peux le mettre? Vas-y. Ok, let's go. Pas de fumier. 53 minutes. Oh ouais. Attends. Ah oh. Ouais, c'est lui, merde. Oh la vache. Ah bah attends, si vous voulez, j'en mets un autre. Ok. Parce que... Il est classique, mais bon, attends. Sinon, on pourra pas regarder beaucoup, quoi, s'il y a que celui-là. Bah sinon, il y a la suite de Nez Cassé, hein. Bah, on veut la suite. Ah, c'est que le... Bah, c'est on veut voir comment il est devenu riche avec son faux là, je crois que c'était... Je sais pas si c'était avant ou après, ça. C'est peut-être un préquel, hein. Nez Cassé Origins. Le copyright, c'est une musique de merde. À Paris, tu rentres du boulot, tu prends ta douche, tu la fermes un tour, tu prends le métro, tu vas au KFC, tu prends ta douche, tu la fermes un tour, tu prends du hors commun, tu vas au KFC, tu vas les boutiques, tu fais ce que tu veux. Le week-end, tu te fais chier, tu vas à Disneyland, tu vas à la Foire du Trône, tu vas n'importe où. Et si tu fais chier le week-end, tu fais quoi? Tu t'en épouses. Mais il tient une échoppe là, c'est quoi? C'est son stand à bout. Parce qu'il va t'entraîner, il fait des conneries quand il vient ici. Ici, dans des groupes, il fout la merde. Tu vois? Non, moi je me suis fou pas la tu merde. Tu vois, à peine arrivé, on m'a dit ça, je te connaissais pas. Ah tu ouais, vois mais non, mais moi je fous pas la merde. Et quoi, ça fait combien de temps que je te connais? Bah, moi. Deux jours? Ouais, ça, à peu près. Moi si je fais un connerie, je vais tout seul. À peine arrivé ici, qu'on m'a déjà dit sur toi, mais t'inquiète, moi peut-être, mettons ce soir, traîner avec 10 mecs. Mettons, j'ai dit, tiens, je vais aller cramer le commissariat. Bon, c'est un exemple, hein, je vais pas aller cramer. Bah, j'y vais tout seul. Je rassure, c'est une blague, c'est un jeu. C'est un mec qui se la donne, c'est clair. Moi, j'ai une BM, j'habite Paris. Je me suis dit, c'est quoi ce mec, quoi? Moi, je me la joue pas, tu vois, je suis tranquille. Et c'est ce que tu m'as sorti le premier jour, c'est moi, j'ai une BM. Ah ouais, bah, moi, j'aime pas les BM. C'est comme ça qu'il l'a séduit, hein. Ah, c'est se la donner, je sais pas. Attends, tu te dis dans ta tête, putain, il vient de prendre 18 ans, il roule avec une BM alors qu'il bosse pas. Tiens, bah, tiens. Eh ben, ça c'est bizarre. Tout. Même si t'as pas il a pas de fait des faux billets quand même. Je comprends pas, t'as le BM et pourquoi il est pas ici? Mais j'ai pas le permis, je peux pas bouger. Mais alors, moi, chacun ses trucs. Je connais des gens, mais ils ont pas de bagnole chez eux, ils ont même pas le permis, ils ont rien. Et parce que c'est tout. Je croyais que t'avais le permis. Non, le permis, les c'est quoi cet album Zonzon? Chacun ses affaires, maintenant. Voilà, chacun sa merde, c'est tout. Mais comment il ment? Si moi je veux. Chacun sa merde. Fais n'importe quoi, c'est mon problème. Si moi je veux faire de l'argent à fond, il va péter le mur. Ce que je veux avec mon argent, je suis libre de faire ce que je veux.
Me double pas. Lidl, petit sac Lidl. Oh là, les petites cibles à la flèche, faut pas qu'il les voit. Attention hein. Approchez pas trop. Camarade. Oh là là, ils sont pas rassurés. Ce téléphone est où? À la pige. Oui, à quelle heure? Je sais pas quelle heure. Parce que... Le matin, l'après-midi? Le matin. Le matin? Ouais, parce qu'il y a une panne de courant, on peut y aller sur mon champ. Ouais. Tu trouves pas que c'est bizarre que tous les lundis, il y a une panne de courant? Bah non, c'est pas moi qui fais ce téléphone. C'est qui vole les sneakers? Je pense que monsieur le gars va venir, mais ça m'étonnerait qu'il vienne sur le chantier si on se voit pas avec lui d'abord. Il va éteindre le courant. Connard. Oui, alors lui... Lui, c'est tard dans la gueule, hein, s'il fait quelque chose. Regarde. On va s'expliquer tranquillement. C'est un scénario de catch. Coupe le courant, au foyer. C'est toutes les semaines? Non, bah, je peux justifier, vous avez qu'à demander au foyer. Hein. La semaine d'avant? La semaine d'avant, non, c'était mon avec à déconner, là, y a pas de coupe le courant. Oula. Oula. Je crois que ça commence à bien faire, vas-y. C'est vous qui pensez. Et neuf, ouais, il est neuf, David. Tu veux qu'on te rase la tête encore, David? Bon bah donc là vous y allez. Bah ouais, bah je vais y aller. Tu veux que je te remette le nez en place, David? Ok, donc on se voit à 5h avec Laurent. Mmh. Alors, retour du boulot. Et pourquoi il éteint l'électricité, j'ai pas compris. Là moi on peut pas aller au taf. Pourquoi? On peut aller au taf, non? C'est sûr que si on prend la tête, ça, ouais, c'est ça, ça en gros c'est en mode vous faire si c'est sûr que si on prend la tête, ça se passera pas bien. C'est une excuse parce que son réveil a c'est une excuse de merde. Mais de toute façon, vraiment, il dit qu'il a une BM, mais quand on lui demande pourquoi il est pas là, il dit qu'il a pas le permis. Ma meuf, mais elle est dans un autre village. T'as entendu? T'as remis? Attends. C'est vraiment la WWE. C'est sûr, si on prend la tête, ça se passera pas bien. C'est sûr, si on prend la tête, ça se passera pas bien. Ça, c'est envoyé. Attends, il y en a après. Pour une petite bande de merde. On casse les couilles, c'est bâtard. Attention, Stone Cold. Stone Cold. Il a perdu son titre de champion du monde. Regarde le truc, il fout de sa gueule. Maxime, tu fous pas de sa gueule. Oula, ouvrir les yeux, monsieur. Oh, il est pas bien. Faut se réveiller, hein. Oh, c'est le cirque. La casquette. Hier, il y a que 5 personnes. Il y a une personne qui est malade et toi, il te manque toi. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on justifie, nous, par rapport au client? Par rapport à ce qu'on lui demande à payer? Tu comprends, c'est pas la question. On peut dire aux clients, on n'a pas fini le chantier parce qu'il nous manquait deux personnes, parce qu'il y a une coupure de courant au foyer des jeunes travailleurs. Putain, merci pour les sous-titres. Mais c'est pour ils toi, ont pensé à nous. Bah, je sais. Nous, on va pas tous les jours conflit sur conflit sur conflit, toi. C'est... Mettre ça dans la tête, hein, là, c'est une optique de travail, hein, c'est pour bosser. Tu comprends ce que je t'ai dit? Schlibedisch. Oh là, il va tuer les vaches avec les piolets là, les fourches. Venez, venez les vaches. Il est où le golem là qui sa gueule là. Il s'est perdu du bois. Le double pas ou je te mets sur la gueule le bois. Oh, qu'il est con, mec, il est con. Qu'est-ce qu'il est con. Mes couilles m'en font mal de tes conneries, David. Ça se voit, sa mère, c'est une prostituée à lui, hein. Il va le pousser dans le feu. C'est le moment, vas-y, tu l'es. C'est la taupe, hein. Tu es suce, David. Là, il dit, je peux peut-être revendre leurs organes si je les tue. Je l'aurai, cette BM. C'est l'objectif principal. C'est son bride. C'est sa quête. C'est vraiment un film. C'est ça, sa mère, c'est grosse défonce avec ça. Ah oui, attends, de quoi il a un champignon là. Écoute. Non, un champ. Ça, sa mère, c'est grosse défonce avec ça. Putain, c'est jette. Je vais être mort avec ce cep. Oula. Et pourquoi chaque visage c'est inédit? C'est un sketch, hein? Oui. Quentin Dupieux. Oh, il me semble que j'avais vu un extrait d'insulte là. Je crois qu'il est pas content de se souvenir. Qu'est-ce que t'as dit? La grande famille est complète. Oh non. Bah si, je travaille à la PIC, je crèche au FJT, tout le monde est au complet, voilà. La famille pirate.
Bah oui, il veut pas venir. C'est un traquenard. C'est ça, on essaye de me piéger. Ah non. C'est vraiment que ça te fait du bien et que ça te sert à quelque chose. De quoi travailler ? De travailler, d'être avec nous sur le chantier. Ouais, bah ça, c'est vite de se faire chier. Au moins, je peux trouver des champignons. Oui, mais il faut pas non plus que tu viennes avec nous pour nous faire chier. Quoi. Ah, bah, la première chose qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé ici, c'était de respecter. Fermez votre gueule. Vous n'avez pas respecté les règles. On pourrait peut-être pas laisser faire quand même. Non, je pense pas qu'on vous aurait laissé faire, mais je crois que vous avez une manière, j'allais dire, avec d'être avec les autres. Moi, que je trouve pas supportable en tout cas. Moi, ça, c'est pas les mêmes. Moi, je trouve pas. Non. Je les respecte, j'arrive non, pas, je dis pas, ouais, ça va, connard, ça va ta mère. Juste un exemple. Je commence à me parler poliment. Non, je t'écoute quand t'as l'idée, Laurent. Quand tu appelles Sébastien Gradubide. Oh, le classique. Ou moi, je alors. Tu appelles Véronique, le gros boulet sur patte. L'essentiel, c'est que quand tu es sur le chantier, tu touches un salaire pour le travail que tu fais. Donc il faudrait ce salaire, il faudrait quand même le justifier. Hein. Il culpabilise. Vous pouvez répéter, j'étais dans mes pensées. Obligatoirement. J'ai pensé tout sur lui. Répétez. Faites ce que vous pensez, moi, je m'en fous. Arrêtez ce que vous voulez, je m'en fous. Que ça soit accueillant emploi, que ça soit espace jeune ou le CAE, et on est là pour t'aider à avancer dans un projet. Non, c'est mais ça sert à rien. Fait partie des 5 millions qui n'ont pas forcément la chance. Pour la bonne haleine de vin rouge, oui, je pense. Bon, conclusion. Conclusion très débile. Le chantier, enfin, je veux dire, on arrête ça, on va vous passer. Je vais vous passer un petit courrier, moi, demain, concernant vos deux absences. Hein, ça fait quand même 2 jours de travail qui sautent. Alors, ça fait quand même 400 francs. On n'acceptera pas non plus le comportement sur le chantier, hein, vis-à-vis des gars. Et d'un autre côté, c'est pas parce que vous êtes 8 heures sur le chantier, mais si vous bossez pas comme dit Laurent, on vous paiera pas 8 heures. Ça vous allez compris. Les mal. Compris, Karatid de Z-Event, c'est terminé. Les deux pères, les deux mères. C'est vraiment plus. Deux mères. Ouais, les deux pères. Non, bah deux mères. C'est une connerie là. Bon, disons, non, trois. Trois. Une vraie mère et deux belles mères. Et puis. Deux beaux pères. Un vrai père et un père adoptif. J'ai 14 fils. Mais dis donc, avec tout ça, t'as dû être vachement choyé, chéri. Oh bah oui, justement. Oui, oui, bah oui, mère, ça se voit. Hein. C'est vrai qu'ils peuvent pas être. Mon nez, c'est un cadeau que ma mère m'a fait à mes 3 ans. J'ai toujours préféré mes petits frères que moi, donc. Dans toute la famille, de toute façon. Et peut-être que tu vas faire en sorte aussi. Bah non, même à 5 ans. À 5 ans, pourtant, je faisais rien, j'étais gentil. Hein. T'étais gentil ? Ouais, je faisais pas de conneries. Ouais, c'est à partir de 11 ans que j'ai commencé à déconner. Bon. Bon. Chier dans les litières du chat. Ouais, les psychologues, mais... Oui, j'ai enculé Miss Tigrine. Le sperme dans le café de la mère Michel, c'était mais pas moi, toi. Je vais parler de psychiatre ou n'importe quoi, je suis pas fou dans ma tête. Hein. Ouais. Ouais. C'est tout à fait normal. Ouais. J'ai été interné dans un hôpital psychiatrique. Si, juste une fois pendant 2 jours parce que j'ai. Il est trop fort. C'est rien ça. Alors là, quand on n'a rien à se reprocher ou rien à cacher, ou... c'est pas un problème de raconter sa vie. Ouais, mais non, mais bon, je commence à avoir marre aussi. C'est quoi moi, j'avais rien c'est fait, quoi leur travail. J'essaie ouais, de. Il brûle des arbres. Des papiers. Il nettoie le champ. Après, il va se plaindre que ces gamins ils vont en prison. Là. Actuellement, à que leur donner une meilleure éducation. Ouais. C'est toujours les autres. Toi, t'es pas bizarre. Bah, si quelqu'un en pense que c'est bizarre, je m'en fous, il pense ce qu'il veut. Hein. Ouais. Bon, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent sur moi, mais je les emmerde, moi, je m'en fous. Hein. C'est clair. Hein. Ok. Alors là, ils pensent qu'ils veulent sur moi, je pense que je suis. Bien envoyé, ça, David. Et blanc. Ils sont venus travailler, la fois que les gens très bien, qui habitent au foyer, qui sont encore là. C'est peut-être à toi aussi de faire le premier pas. Et... Ouais, mais bon, il y a des gens qui sont au foyer qui sont quand même bizarres. Moi, j'ai jamais ras le cul de supporter de voir leur tête. Un jour, je prends, une grenade, je leur ouais. La gueule. Leur... Ouais, la gueule. Bah pourquoi pas. Je suis pas allé dans un hôpital psychiatrique. Fais-le, ouais, c'est marrant pour la télé. Toi, tu veux leur balancer une grenade dans la tête. Bah oui, ce qui me casse les couilles. Mais je voudrais pas en arriver là. Il est très culotté quand même. Il est très culotté. Il a fait un gaga du Gradubide, il voulait lui mettre. Oh la vache. Oula. J'avoue que Gradubide. On va faire un shampoing, monsieur. Oh, il va se passer un classique, je m'en souviens. Demain, je m'en souviens pas. Ah, on se tait. T'as un boulot à faire, on est 8.
Théoriquement, on doit le faire à 8. Toi, t'as des grosses sérieuses, moi, je suis à la fois. Non, mais on est 8 voilà, et il manque 2 mecs. Et ben, on est 6. Ça veut dire que, bah, à 6, il faut faire le même taf, quoi. Ah oui. Pas des grosses sérieuses. Ouais, mais peut-être pas des grosses sérieuses, mais t'as interactif. Bah alors, tu veux jouer au bonhomme, là? Nous, je joue au bonhomme, je joue pas au bonhomme. Moi, je joue pas des grosses sérieuses. Tu veux jouer au bonhomme, bah. On va jouer au bonhomme tous les deux. Je joue pas au bonhomme. Hein. Hey, on en chie et tout. Pas le seul, hein. Bon, bah alors ferme ta gueule un peu, quoi. Oh. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, mais bon, j'essaie. Bah arrête, ouais, pas, arrête. Demain, tu vas voir le gars, tu lui dis bon, terminé. Terminé. Ma lettre de démission, voilà. Bah ça, quoi. Après, mais arrête! Après, je prends mes affaires. Mais après, bah, on s'en bat les couilles après, quoi. Bah non, bah pas moi. Pas toi? Pas toi, mais tu vas au boulot une fois. Toi, t'es à la carte. Je comprends pas, l'autre à côté. T'es au boulot à la carte, quoi. T'y vas une fois de temps en temps, tiens, je vais aller au boulot. Non, aujourd'hui, non, je vais peut-être pas y aller parce que là. Hier, je suis trop défoncé. Un sketch. Et tout. Non, mais hey, arrête tes conneries, quoi. Coupé! À la fin, il y en a marre. On la garde. Elle est belle, il faut qu'on la rattrape le boulot, quoi. Et nous, on en chie notre gueule parce qu'il y a des mecs. Oh, oh merde. Oh, j'ai loupé l'heure. Oh, tant pis, j'y vais pas et tout. Non, c'est bon, quoi. Ah, il ouvre au moins, là. Il y a beaucoup de monde qui serait content que t'arrêtes. Elle est où la grenade là? Hein? Entends-moi votre grande gueule là. Il l'a dans sa poche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses devoirs là, on comprend pas. Attends, je peux voir. Attendez. De toute façon, je reste pas longtemps à la pile, quoi. On le sait que t'en as marre, mais arrête! Arrête! T'es un mec! T'es un mec! Attends, attends, attends. Parce que. Tout à l'heure, je vais lui en mettre une, quoi. J'ai pas ça d'accord avec le gars. Je sais très bien ce que je fais. Il y a un mec comme ça qui veut bosser, qui a vraiment envie de bosser et tout. Qui veut bosser, qui a plein d'ambition et tout. Et c'est toi qui l'encule. Mais non, j'ai pas. Pardon. Il va le faire, il va le faire. Laisse-le tranquille, il a déjà le nez cassé. Tu vas pas le recasser, quoi que ça pourrait l'améliorer. Désolé, mais un chien était derrière ma porte, j'ai pas pu sortir. Oh, l'ambiance après. Il est plus là? Si. Bon, je suis de retour. Et les outils dont on n'a pas pu encore brûler. Aujourd'hui, si le chuchage. Ça va? Bon, bah, va te changer. Ça l'a vraiment calmé, hein. Bah oui. T'inquiète pas, qu'il va s'énerver dans 2 secondes. Il va se faire doubler dans le sestième. Tu fais pas la queue? Première sommation. Oh, il est chiant en plus. Il va pas arriver en courant. Tout le monde l'attend. Hop. Oh non, j'ai oublié le camion. Il est où? Oh, là, non, bien. J'ai oublié mon bandeau. Ah, ça finit comme ça. Ah ouais, tout le générique, c'est lui qu'on attend. Ah, mais ça méritera un troisième là. Parce que... Est-ce qu'il y a une trilogie? Je me demande ce qu'il est devenu lui. Non, non, il y a pas de. Tu te demandes de... ce qu'il est devenu est en cellule. J'aimerais trop savoir. Attends. Ah, je suis désolé, mais celui-là, je vais le mettre. C'est lequel? Voilà. Je vous demanderai de retenir vos blagues éventuelles, nous sommes sur Twitch. On prend le cachet, très bien. Continuez. Mais la concurrence, à partir du moment qu'est-ce où que c'est que ça pointu, que vous avez des prix corrects. Attends, non, mais pas ça, on peut pas, on va se brider, là. Bah quoi, il y a juste... sur des prix corrects, et je suis pointu. Et quand je fais un travail, je donne 1 an de garantie sur le travail que j'ai fait. Ah, c'est rien du tout, celui-là. Toi, c'est nickel. Et là, tu crois? Ah oui, si, je vois le film. Je peux pas, je peux pas. Il y a quoi? Bah non, mais là, on peut rien dire, du coup. La secrétaire, tout ça. Allez, allons-y. Quand elle venait habiller le matin, on aurait dit un palmier. Elle est habillée avec des pantalons. Je vais juste rigoler pendant 10 minutes. Madame, on est comptable. Ça m'échange. Rien bah, ok. Bon, bah. Avec la meilleure. Dans Salomon, mais. Salomon, vous êtes juif. C'est quoi? Bah, dans ce cas-là. Bitna Pataille. C'est quoi ça? Il est bien celui-ci. T'as vu la culotte? Vas-y, je
Évidemment que je l'ai vu. Franchement, je vais aller monter sur une belle tarte là. Je vais l'attaquer comme ça. C'est un dragueur pro. Je connais pas celui-là. Il y a Radio Sexe 2. C'est Joël. Et moi, le sexe, mais vraiment, mais. J'adore le sexe. Il parle que de cul là. Hey Joe, comme ça. C'est pas la même sirène là. Yes. Ils sont fait chier pour le titre. On va l'enculer, la salope. Je vais l'enfoirer. Derrière, derrière ça, non, mais c'est quoi cette pervers sexuelle? C'est vraiment des charrons. Quelle horreur. Non, non, Théo, ça c'est pas des charrons, ça c'est des pervers sexuels. Non, non, ouais, non, ça c'est des agresseurs. C'est un charron, hein, pour Théo. Oh, les charrons, ils sont. C'est un gros dragueur, ça, c'est un gros. Ils sont trop marrants, ces charrons là, à toucher. Oui, si, ça se trouve, il a la grosse caméra et il se dit ça va passer. Et si on commençait à se branler là? Non mais sérieux? Non mais oh! Putain, elle a pas vous... Putain, vous, vous, venez... vous êtes anti-yes, madame? Putain, elles sont nulles. Vas-y, on se casse. Elles sont à chier! Je peux vous parler deux minutes? Ah, je vais tout simplement m'asseoir et discuter un petit peu. Mais ils sont crus sur Red Dead, tu sais, avec l'émission. C'est horrible! L'émission à la fin, ils oui, c'est les gens qui sont. C'est Gonzague à l'apéro tube. Et t'as déjà baisé avec un youtubeur ou pas? Bah elle est partie hein. Et du coup ton nom c'est Christine, c'est ça? C'est comme des putes ici. Oh, non. Oh Diego Morisseau. Je t'ai dit avec tronché. Mais ça arrête jamais. On va négocier, ils sont sur le plan. Bonjour madame, vous allez bien? Trop belle. Tu t'es déjà fait atomiser. Oh le stress. Try to speak French now. For me. Try to speak French for me. Plus ça ressemble à Chrissy là. Beautiful girl, sérieux. Ah, ça c'est. Beautiful girl, sérieux. Beautiful tarpé, mec. Oh, I don't dream. You will never find this in vide grenier. Can I give you my number? You call me. Hein? Quand il la regarde, non mais sérieux. Et puis il la suive. Et c'est où ton okay. Hôtel? We would like to meet you tomorrow. Et du coup le petit code là. C'est une étoile filante, je te jure, c'est une étoile filante. Défile pas, je fais en moyen. Moi, c'est quoi avec la meuf hein, je fais nuit et jour. Je reste sur le lit, tu sais, je pêche des scotch comme ça. Là. Oula. Sur le lit, je suis avec elle. Attends, je vais comme je la sauvise. Je vais faire les courses. Je prends un scotch double face et je la colle sur le mur, tu vois. Ah mais regarde-les, mais c'est pas possible. C'est un zoo hello. Pour eux. Ça va? Ça va? Oui. Ouais, ça va. Pour les Français? Ils ont une application pour voir Rayon X. Oui. Ça va bien? Tu sais, ils ont le truc des fantômes, Hugo, là. Avec elle? Bah, oui. J'ouvre la ghost box, là, pour repérer les petits culs, là. La spirit box. J'entends une voix de fan. Mais je sais même pas quoi dire là, vas-y. C'est Charlie Danger. La conversation elle est cool hein. Ouais, ça va bien, c'est bien. Bonjour, ça va, tranquille. Sinon ça va. Tu regardes Popcorn. C'est qui ton préféré? Sardoche. Bon, à la prochaine. Pardon. C'est le roi du sexe, il sait quand il s'est épilé. Rien que dans les yeux. On délire, oh. T'es mal, PD, on fait chier les petites filles. Oh, ah, oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça, Twitch, ça me dégoûte. Déjà, il me dégoûte depuis le début, là. Oh. C'est pas plus. Non, mais même les mémés, mais ça va. Non, mais vous savez très fort, monsieur. Mais calmez vos ardeurs. Et celle-là, la chatte ridée qu'elle doit avoir, attends. Les quinquagénaires comme ça, tu vois, comme c'est chaud. Il y a vraiment des choses qui passent ici, ok. Ma part, je vais te raconter un truc. Je chante pas, je bois pas. Et puis continue, je sais, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai juste hydraté toute la journée, c'est tout. Mais il y a un truc, je fais m'écharmer. Ouais, ça me ménage. Ah, mais non, j'aime pas faire le ménage. La vaisselle non plus, j'aime pas. Même les gens sur les bancs, ils sont choqués. Non, mais attends, elle est. Dormir. Ah, mal feu. Ah, pas dormir, j'aime pas trop dormir. Elle parle.
J'espère qu'elle est adulte, hein, monsieur. Devine un petit peu, ouais. Je t'achèterai une peluche alors. Quoi ? Pourquoi faire ? Je sais pas, pour tenir compagnie. Elle est au collège, hein, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, pas nager, hein, pas nager. En gros, je vais nager dans ta chatte, tu comprends la métaphore? Non, c'est pas mieux un crac-crac. Tic-tac, c'est pas mieux un tic-tac. Tu le butes? Non, plus, trop bien. Je vous jure que leur journée, ça, elle pue la merde. Non, ils passent leur temps à casser des couilles de bœuf. Il dit les phrases, mais tu sais, avec des trucs de cul. C'est ce qu'on fait là, des phrases prédéfinies. On drague, on fume. On viole les femmes. Non. Bah moi j'ai pensé à toi. Oui bah tu changes de langue. Ah non. Ouais, ça date de quand Damien ça? Bah vu la gueule qu'ils ont, c'est vraiment les années 90 avant 2000. Hein. Non moi je pense que c'était après 2000. Moi 2000 hein. 2000 je sais pas le. J'aurais dit 2005, 2006. Faut voir des années. 2000 ça me paraît super récent. Bah 2001 max. Ils ont pas un look de 90 hein, je trouve, le plus et tout. Mais c'est que 2001 max. Tu sais que le nez cassé c'était 2002 hein. Regarde, faut voir des indices. 2002 ? Oui. Ah, 96. Ah là. Mais ouais, mais on est cassé, c'est 2002, il y avait écrit sur les feuilles. En 10 minutes. C'est des malades, hein, au début. Ils s'arrêtent jamais, hein. C'est... De leur journée, c'est que ça, c'est un truc de ouf. Oh non, mais en plus, elle est livage. Oh non, la pauvre, elle est revenue. Ah mais, je comprends pas, oh là là. Alors Vanessa, ouais. Non mais Vanessa, je... On va fumer un calimé de la paix, toi et moi, tranquille, pour s'arranger pour le futur. C'est mauvais. C'est mauvais, pourquoi? Pour la santé, c'est mauvais. Oui. Mais ta santé, elle vaut pas en gros. Vanessa, là. Oui, faut partir, monsieur. Vanessa, il va t'emmener chez Pascal Oupé, Vanessa. Oui, Vanessa. Arrête de suite. Faster. C'est très dangereux pour la santé, ouais. Et regarde, l'autre, il en a une derrière aussi. Non. Je te donne un briquet, il a des moi. Tu sais pas allumer. Mais moi je vais t'allumer. Oh là. C'est très grave, hein. C'est très grave. Y'a. Tiens, le pire c'est qu'elle reste, hein, franchement. Ça bah, elle doit pas tout comprendre. Bah, elle a l'air de comprendre des trucs quand même. Elle doit dire que c'est la French drague. Oh yeah, allumé. Baiser. Ah, ils sont forts pour la mise en scène. Ah bah en tout cas c'est marrant hein, l'après-midi. C'est symbole, ouais c'est bien 96 hein. Il y avait pas Fortnite là. Ça c'est pour quelqu'un qu'on aime bien quoi. Mais quelqu'un qu'on apprécie comme toi là. Moi déjà je fais. Il va lui prendre le pouce, il va le sucer devant parce elle. Parce que hein. C'est bien. C'est la French Touch. Ah ouais je sers comme ça là. Encore un symbole de respect. Vas-y on le fait avec ton doigt de pied. On est qu'en 96 mais t'auras pas un site avec des photos. Je refuse, elle a été payée. Oui, c'est sûr. Bah non, on se dit au revoir, ouais. Ouais, et en plus, il arrive même pas à conclure, non, Nilo. Vas-y, monte un peu. Allez, bah ciao. Fermez la porte cette nuit, hein, quand partez, même. Tant qu'il est encore temps, il nous suit, hein. Bon, bah là, on n'a pas réussi, bon. Bah. Oh la vache, le mot capuché. C'est bon, c'est très grave. Les poètes de la rue. Je suis sûr qu'ils vont finir par coucher ensemble tous les deux. Bah, c'est sûr. C'est ça la fin. Ça serait trop bien. T'as un gros point à poil entre les deux. Bah bonne chance hein. Il fait le thé en mode elle peut plus passer. Mais c'est horrible, c'est genre ce piège. Hop là je te mets un cadenas. Regarde il va écrire son nom sur l'arbre. Mais je te jure il va les menoter hein. Mais comment il regarde la meuf. On peut l'attendre avec toi, non?
Sans Sophie, non, t'es en retard là. C'est qui elle? Approche, on va te manger. Encore une victime. On y va? Nombreux sur la liste. Sophie, hein. Vite, on y va. Oh, c'est trop gênant. Non, mais elles vont juste faire une soirée. Ma copine. Alors, en plus, le pire, c'est que les meufs, elles comprennent pas parce qu'il y a une caméra. C'est Marc Dorcel Non, c'est vous. J'ai rien signé, monsieur. Ça se passe en 2001. Non. Je sais pas, doit y avoir la date. C'était 96. Ouais, je crois qu'il n'y a pas la date à la fin. Tu vois, c'est moi qui t'ai eu. On dirait que t'as pissé dans ton froc. Hein. Oh, ah, j'ai même chié. Vas-y, mais va. Emily, appelle le chef là. Appelle le chef, mec. Patron. Appelle-le toi. Là, Emily, t'as bien rigolé. Ouais, ça va. Tranquille. Tranquille, ouais. C'est marrant, je suis genre. C'est un passif agressif. Ouais, ouais, de ouf. Ça te fait rire, hein. C'est non, hein. Ouais, rigole. Ah, oh, c'est non, du... Vanessa, j'aurais bien aimé la piner. Hein. Oh, voilà, mais c'est pas vrai. Ah, moi aussi. Ah, moi, c'est en haut, quoi. Ouais, tu sais quoi, moi, j'aurais piné, je l'aurais donné. Ah, ah ouais. Ça va, alors. Ah, bah si, c'est... Non, il deux, parle deux. De meufs comme, comme dopés. C'est des boosters, Pokémon. Ça, c'est une maman, et si elle parle français, j'aurais attaqué. J'aurais eu le shiny, je te l'aurais donné. Si elle parle français, quoi. C'est une meuf qui est en trop, comme toutes les autres meufs, tu vois. Je pinais une moche, c'est comme si je pinais Vanessa. Oh la phrase, elle est si vieille que ça, la phrase. Hein, trop c'est un trou. Une bite à pas d'œil. Eh ben, y a pas de morale dans les striptease, c'est bizarre. Ils sont juste débiles. Hein. Philippe Kurzawa. Ah, celui-là, en termes de malaise, il était. Ah ouais. Content. Bah, au début, moi, je me disais, c'est des dragueurs relous. Bon, après, quand ils ont parlé de. Ouais, c'est vraiment des malades. Hein, vrai. Il y a un point de rupture au bout d'un moment, tu dis, allez, oh, la c'est la cassure. Tu l'as déjà vu ou pas, ouais, cette vie où le mec il essaie d'installer un ordi portable? Moi, j'ai presque pas vu, moi. Okay. Il est trop bien celui-là. C'est le ça marche pas. Mais il est connu, mais... Je l'avais vu, je l'ai regardé sur le stream. Déjà, c'est Yannick. Oh, si. Attends, il est trop bien. Allô. Attends, il est un peu sourd. Il est un peu sourd d'oreille. Allô. Ma femme est morte. Bah, c'est... Vous m'avez téléphoné pour du travail, là. Alors, je voulais savoir, là, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Alors, là, juste, vous appelez moi, juste. Non, je cherche un lave-vitre. Ah bon, il a pas très long. Un lave-vitre. Mais oui, non, mais il est toujours l'air énervé, c'est trop drôle. Ah, il y a un petit sifflement là. Mais si, monsieur, il faut apprendre. Faut travailler c'est à l'américaine. Ah oui, à l'américaine avec des raclettes. Oh les godasses, putain. Si un exemple, je vous mets sur une nacelle pour travailler, un exemple à une hauteur sur une nacelle pour travailler, pour faire des vides, comment vous allez faire si vous avez jamais fait ça? Pour conduire une nacelle. Vous avez déjà conduit des nacelles? Des nacelles. Et ben, pour faire des vides, c'est le dîner de con, vraiment, là. Bah écoutez, je pense qu'il faut mieux retourner à l'agence de l'emploi. C'est même pas de l'emploi. Moi, je suis même à l'emploi. Nous, on est électricien, d'accord? Qu'on soit d'accord. Non, mais rêve pas. On ne jamais. Bah, donc, quel con, je ne sais même pas prononcer. Cigarette Christine. Allez, au revoir. 99, là, au moins, on sait. Il connaît pas le domaine, quoi. Attends, si ça se trouve... Oh, la casquette. Oh, il va nettoyer. Ouais, c'est un laveur de vitres. Forest nettoyage. À l'américaine. À l'américaine. Mais faut travailler à l'américaine. La raclette, le petit panier. Non mais je rêve. Ils connaissent même pas la serpillière. Bonjour. Donc voilà, c'est ici tous les 15 jours pour faire. Mais regardez, attendez, je l'avais remarqué à l'époque quand je l'avais regardé. Entrevue. Ah oui. Arrête. Il y a Dieudonné, il y a Dieudonné sur ah l'image. Oui, il y a Dieudonné. Bon, moi j'ai surtout vu me faire pas l'autre. Oui, bon, oui, bah oui, bon, ça. Eh, c'est les magazines Twitch, donc, écoutez. Dieudo, il avait encore la côte. Pour faire une dose. Hop, donc ça, c'est lui qui va nettoyer.
Hop, regardez, vous mettez la solution. Solution hydroalcoolique, vous buvez tout. Vous mettez du Ricard sur la vitre. Comment on fait pour les cahiers? Bon, ça c'est le mien, mais ensuite quand vous en achètes rien, tu mets l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Miami, hein. Un budget. Miami. Bah, faut penser à l'américaine. Vous mettez le water brush. Voilà. Ah bah ouais, c'est bon, là, t'as de la vitesse, dis donc. Eh, t'as pas fait le championnat du monde? Ah ouais. Oh la vanne. Ah ouais, ah ouais, là c'est... Oh, c'est un live de théorie, ah ou quoi? Vous avez fait la Z-Line du nettoyage? Bah non. On va rue de Tanger. Alors, c'est... la rue de Tanger, tu vois qu'il y a des immeubles marrons là-bas. Ouais. Bon. Alors si avec bah, ta voiture, tu fais le tour là, bah, tu vas plus loin. C'est facile, quand tu prends la rue Tanger, c'est au bout de la rue Tanger. C'est un café qui fait le coin, ça s'appelle le 421. Okay. Tu rejoins là-bas. Ah, il a plusieurs, tu vois, il a plusieurs employés, ça doit nettoyer dans tout Paris. Ah bah c'est l'américaine, hein. Est-ce qu'il dit des mots anglais des fois entre les phrases? Je sais pas, tu vas voir. Tu vas jusque là-bas, Motherfucker, on entend plus. Allez, on va wesh, on va wesh. On va wesh tout ça là. L'américaine, le chien. Le berlin Dutch. Il est tellement triste de vivre là-dedans. Ah ouais. Oh, l'appartement de 20 mètres carrés. À l'américaine, l'appart aussi. Hein. Oh, la baguette. Double. Double. Il a les mains pleines de savon, il tient la baguette à pleine main. Vous serez en relation avec un correspondant. Trépidote qui fume toujours des. Attends, c'est mortel, ils ont un truc comme les flics. Ah, pendant ce temps-là, tu peux danser, là. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que voilà, j'ai commandé un ordinateur au mois de septembre. J'ai commandé un Dragon Dildo, il n'est jamais venu. Cet ordinateur, on devait me rappeler, il n'est pas arrivé encore. C'est bien, vous pouvez patienter. Oui, qu'on vous nettoie le trou du cul. Soirée, monsieur, je vous appelle, j'ai 3 kg de smegma que j'ai récolté sur mon frère. Ah bon. Ça fait 5 fois déjà, madame. Attendez, parce que là, attendez, on devait me rappeler. Le technicien. Allô, madame, attendez, laissez-moi causer. Le technicien devait me rappeler. Le charisme. Il m'a pas rappelé. Je sais bien, monsieur. C'est la sortie, ça. Ben oui, non, mais on devait me rappeler déjà plusieurs fois. Le service technique, le service de livraison, ceux qui doivent me mettre. C'est le bureau de The Boys, hein. C'est là qu'ils se retrouvent. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. Tobichat, je ne sais pas le dire le nom. Tobichat. Tobichat, là. Toshiba, oui. Toshiba. Oh, quel setup à l'américaine. Oh la vache. Pas besoin de voiture. Vous voulez que je vous nettoie? Il va nettoyer le métro. Eh, le rêve. Ça vous fait pas rêver, la France, là, les mecs. C'est beau. Ouais. Attends, mais c'est quoi ce truc, là? Ah! Ça, potasse, c'est une raclette extra longue! C'est une water brush 2000! Et hop, on essuye! Mais il est dégueulasse, son. Oh, il est marron, là, le truc! Son éponge, là, son. Regardez! Je nettoie entrevue! Oh, voilà. Oh, le sapin! Petit t-shirt oversize, acheté sur Bershka! Merci Yoko. C'est qui ça, mais est-ce qu'on l'a... Allô, bonjour madame. Voilà, je vous appelle parce que c'est le sujet d'un ordinateur que j'ai commandé l'année dernière, au mois de septembre. Oh, les doigts jaunes. Oh, qui m'est toujours pas arrivé. Je cherchais à boire. Je voudrais savoir si vous avez... parce que j'ai reçu une facture de Geneta, oui. Mais l'ordinateur, oui. Je ne l'ai pas. Très bien, madame, veuillez patienter, je vous mets en relation avec une facture. Madame. C'est pas... Vous allez... C'est beau. Hein. Ça fonctionne. Je demande le peuple. Oh l'ambiance. Ça fonctionne. Si, ça clignote. Et ben voilà. Et ben voilà, on va passer un Noël de rêve. Avec la musique en fond, mais c'est pas possible. Elle est plus grande. Quentin Dupieux a regardé que ça. C'est. Juste un instant. Normalement, ça clignote. Ah, normalement, oui, mais là. Faut répondre. Oh, pas ça fait 5 fois qu'on me dit qu'on me... 3 ou 4 fois qu'on me dit qu'on me rappelle, et je peux vous dire qu'on m'a pas rappelé encore. Oui, ah bah oui, non mais moi j'ai besoin d'ordinateur. T'es pas de rose.
moi je veux parler à une femme. Ouais, pas de la musique maintenant. J'ai commandé un t-shirt du Zeven, tu n'es pas arrivé, ceci moi. Parce que j'en ai rien à foutre de la Croix-Rouge, ouais. Moi je voulais du t-shirt. Moi j'ai froid là, je suis en tir sans vue, ça fait 6 mois. Oh le métier, non mais attends, à 22h il doit nettoyer. Oh c'est dégueulasse en plus. Oh le coude, oh le coude. Oh il a plus de sang. Oh le double bras. Tiens Jackie, d'abord la surprise. Bah j'ai reçu ton ordinateur. Merci LDLC. Oh la carte graphique est de retour. Oh les 3090 finalement elles sont sorties. Tout est là. J'ai dû m'ouvrir ça, je sais pas comment que... Attends, parce qu'il doit y avoir un système. Oui. Non, non, mais attends. Oh non. Tout à l'heure tu l'as ouvert. Attends, si on... Prends le marteau. Je sais pas sur quoi t'as appuyé, tout à l'heure tu l'as ouvert. Écris start avec le clavier. On va mettre un disque dur, on va voir ce que ça donne avec un disque dur. C'est un driver. Un disque dur. Oh voilà, ça hop, c'est dans le bon sens. Ah, attends, mets la carte graphique. Dans le sens là, voilà. Dans le sens, ça, je sais pas, toi. Allez, voilà, ouais, dans le bon sens, nickel. Là, comme ça, ça va bien le lire. Putain, capé le vrai. Oh, il l'enfonce même pas. Oh, tu le mets à moitié comme ça. Oh, il le nique. Oh, qu'on me nique le truc. Il l'a mis à l'envers et il l'a pas enfoncé. En plus, il se met les doigts dans le nez après. Alors là, faut mettre. On va démarrer peut-être. L'écriture. Faut pas acheter un ordi chez LDLC. Regarde, ça y est, c'est bon. L'ordi tienne pas. Bon. Attends. Mais tu sais que son but là. C'est long, mais c'est. C'est qu'il veut créer un site internet pour sa société. Ah bah bon courage. Il s'est mis en veille prolongée. Il n'est plus. Il n'a plus répondu. Voulez-vous empêcher votre ordinateur de se mettre en veille prolongée à l'avenir? Non, mais c'est pas sur Damien ça. C'est reconnaissance faciale. On va faire OK. Ouais. La mamie aussi qui essaye de comprendre. Je sais ce bordel là. Non, on aurait mieux que t'appelles quelqu'un. Fais attention. On va essayer sur. Attends. Il est parti. Parce que si tu peux pas venir quelqu'un, tu ne sauras jamais faire marcher. Excusez-moi. Il va mettre la cendre sur le clavier. On n'y arrivera jamais là. Mets-le un exemple sur le. Au-dessus là, au-dessus du 13 là. Fais-le grimper au-dessus du 13. Au-dessus du 13. Si tu y arrives. Oui, là. Vous avez un souci technique sur votre PC? Un souci technique? Oui. Bah oui, si c'est pour des explications pour pouvoir. Oui, eh ben, je viens de le contacter, moi, c'est vous. Pardon. Je viens de le contacter. Vous me cassez les ma bonne dame. Oui. Non, mais c'est pour le faire démarrer, pour m'expliquer, parce que je voudrais faire un site internet. Parce que je l'ai nettoyé, là, avec ma serpillière, et ça marche pas. Bien sûr. Ouais, il faut que la musique. Marc, c'est de la belle musique. C'est de la funk. Belle ambiance. Eh, les caméramans, ils sont trop forts. Mais je sais pas comment ils peuvent se retenir de rire, je sais pas. Hein. Bah, des fois, c'est un membre de la famille. Bah ouais, là, on est vieux avec la vieille, mais... Quand même, c'est difficile, hein. Regardez, fermez toutes les applications en cliquant sur la croix en haut à droite. En haut à droite. En haut à droite. Oh, le... L'informaticien, il sait qu'il est dans une famille... Oui, oui. Il a marqué OK. Il sait qu'il est foutu. Allô ? Il s'ouvre déjà. Il est marqué OK. Oui. Allô ? Je passe sous un tunnel. Je suis dans un bureau, mais... Fermez la fenêtre. Fermez la fenêtre. Bon, on va fermer la fenêtre. Bon, alors, je dirais n'importe quoi à sa place. Appuie sur... Je loupe, vous le gars. Bip, 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 boop. Alors, et vous faites bip. Faites des bolognaises. Et ben oui, mais il y a marqué... Attendez, excusez-moi. Il y a marqué... Sur la croix qui est en haut à droite. Ah oui, d'accord, attendez. Il croit que c'est tactile. C'est en haut sur la croix. Attendez, oui. Voilà. Ah mais clique dessus, enfoiré, bah. Donc là, elle est fermée. Non. Attendez, c'est en train de tourner, là, regarde. Excusez-moi, tu peux... Faut encore clignoter ou pas? Il y a une croix en haut de la fenêtre. Oui, et j'ai mis la... Et sur la croix, j'ai mis... Et ben j'ai mis la flèche, il y a marqué fermé. Et ben oui, maintenant, c'est sur le bouton. Fermé. Ben oui, c'est ce que je suis en train de faire.
appuyer sur le bouton. Appuyez sur le bouton, appuyez sur le bouton. Sur rien quel qui bouton fait, aussi. Appuyez sur les autres boutons. Sur lesquels? Je sais pas, monsieur, il y en a plusieurs. Oh, il en a marre. Il y en a 50. Vous fermez, votre... fermez votre gueule, tout simplement. Ah voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent pas te faire venir quelqu'un. Annulé. Venir dans l'appart, c'est une mauvaise idée. Ils pourraient envoyer quelqu'un. Attends, c'est tout bleu maintenant. Envoyer quelqu'un pour démarrer l'ordi. Oui, il y a une croix là-haut, tout là-haut. Alors allez cliquer sur la croix. D'accord. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique. Ça fait de la musique. Mais hein. C'est du beatbox. Mais quand je clique, ça fait... Voilà. Ça fait du jazz, ah, voilà, monsieur. Ça y est, attendez. Il y a un numéro de téléphone. Mais c'est annulé, monsieur. Ça servait à quoi, le ça gros bouton, là, au milieu? Non mais il faut je sais même pas, il n'y a pas de pavé tactile. Je sais pas comment il touche la souris. Le mieux serait qu'ils envoient quelqu'un directement. Ça va être Tiki, on lui prépare un beau repas pour lui. Oui, ah, tu restes idée. On a dit restelé du... Mais vous pouvez, si vous voulez, souscrire à... Maintenant, parce qu'on a pas, parce que l'ordinateur, je l'ai eu au mois de septembre, c'est-à-dire que je l'ai commandé au mois de septembre. Oui. Il m'a été livré il n'y a pas longtemps. Et oui. À l'époque où je l'ai commandé, ça ne se faisait pas votre truc de, je sais pas, de souscription, vous savez. Mais là, vous avez la possibilité. Votre communication vient d'être interrompue par le du temps. Vous m'emmerdez. Bordel. Je me barre. Aussi. Écoute, laisse-moi causer, merde. On va te reposer. Bon, il n'y a rien de film. Attention, bougez pas votre chaise. Je voulais là. Juste aider. Il y a le chat là. Oui. Il y a du monde derrière. Comme il est énervé. Oh non, elle aura pas de site internet. Il y a du monde derrière. Ah, ça, c'est pour le cinéma, ça. Quoi C'est mon ordinateur qui changerait les deux, tu vois. Tiens, viens, regarde. Ça, c'est la musique. Il nous fout de la musique. C'est bon, ça. Il y a pas de jet. Il comprend rien. Le dernier plan. La musique est extraordinaire. C'est la fin d'un film de Lynch, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un final exceptionnel, là, vraiment. Voilà, c'est une comédie, hein. Non mais... Ça fait de la musique. Moi je veux vraiment vous le mettre le truc fumier là. Fumier long, personne le connaît. Mais moi je le regarde, c'est bon, 53 minutes. Je vous jure avec... que je vous jure que c'est un classique. Avec Hugo drôle. On a bien regardé des trucs de 3 trucs de 40 minutes, hein. Je vois pas où est le problème. Bah voilà, regarde. Attends. Hugo il a dit je vais, Hugo, je vais chercher vient, Hugo. Bah Hugo tu le dis hein, dit, si on te fait chier. Je te le dis si t'es parti chier, hein, parce que l'eau, t'as pas un palace non plus, hein, t'as un étage pour aller chercher de l'eau, hein, ça fait 10 minutes. Attends, tu peux pas passer le générique là, ça coupe. Ouais, on y va. Ok. Je mets mes boucles. Merci Grim. Et après, on y va. Et toute seule, ma Chantal. C'est merveilleux. Alors qu'est-ce qu'elle fait, elle? Et ta petite... Ma barboule. Ton petit porte-bonheur. Bon ben on va reprogrammer une manif. Hein. Ils prennent un peu trop d'assurance. Et le comité de soutien, c'est... il y a combien de personnes maintenant? C'est, oula, c'est énorme. Hein. Peut-être 300 là à l'heure qu'on est. Hein. La coordination rurale, la confédération paysanne. Ça c'est sûr que... J'aime trop les vieux, ce moi. Ce qui est très important aussi, c'est ouais, qu'il n'y a pas que les paysans. Hein. Oui, il y a beaucoup, en dehors de la profession, il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai. Et ouais. Beaucoup d'enculés. Il y a beaucoup de gens. Ça a ému beaucoup de gens, ça, Marie, tout tu fait, vois. Oui. C'est une histoire qui a beaucoup bouleversé le monde. Vous avez vu comment elle est belle, oh, notre Chantal? Oui. Oh, les mensonges. T'es sous les posts Insta, t'es magnifique, chérie. Que vous encore un autre. Merci à tous pour votre présence. Preuve que l'affaire d'une condamnation pour une mise aux normes d'un tas de fumier ne vous laisse pas indifférent. Ils sont juchés. On leur dit. De 17 hectares sont à Dieu. Suite à la plainte des époux de Mur, ses voisins, Mademoiselle Jeu a été condamnée par un arrêt du tribunal de Nevers du 7 septembre 2007. À une astreinte de 50 euros par jour pour se conformer au règlement sanitaire départemental pour une mise aux normes d'un tas de fumier dont la présence ah, est de oui. plus de 50 ans. Il faut que vous sachiez que les bénéfices de cette présentation seront donnés à Chantal pour l'aider à payer sa fumière. Merci beaucoup. Attends, elle n'a pas un tas de fumier qu'elle ne veut pas déplacer là?
Si, si, il a fait exprès de mettre devant chez des voisins pour leur casser les couilles. Et du coup, ils ont porté plainte. Ouais. Et en gros, elle manipule tout le monde dans le village. Et du coup, les gens, ils sont en mode ah ouais, non, c'est David contre Goliath. On va aider la pauvre Chantal alors que c'est qu'une connasse. Viens, petite Chantal. Oui. Bon, regardez. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il coup. Où est-ce qu'on a le fumier, Chantal? Alors, vous le mettez là-bas, vous allez me suivre avec la brouette. Vous le mettez devant chez Jérôme pour lui bien lui casser les couilles. Voilà. Voilà. Moi, je suis une pauvre mamie. Qu'elle est pas si vieille que ça, cette connasse. Tu verras, je crois qu'elle dit son âge. On dirait qu'elle a 80 ans alors que pas du tout. C'est pas grave. On va le mettre là, comme ça. Faut que voilà. Je là. Là. Bon, je suis qu'une pauvre mamie, moi. Enlevez le fumier là. Et vous le mettrez là-bas où j'ai commencé d'en déposer deux brouettes. C'est les limites, en d'accord. Quelque sorte. Hein. On va plus loin. Ouais. On va le mettre proprement. Voilà. Oh, de... Vous avez travaillé pour moi, les connards. Chantal, en oui, sachant que plus monsieur et madame de Mur nous le font. Et le voisin, il lui a juste pas dit bonjour une fois. Et... Plus ça sent, plus ça sent. Ça va de soi. Hein. Oui, non, j'ai appelé les gendarmes qui ont pris note que les travaux commençaient, que nous avions été faire toutes les démarches après travaux, permis de construire et compagnie. Par contre, ils préconisent quand même qu'on prévienne les deux murs. Mais on n'a pas d'avoir de contact avec ces gens-là. Ben moi, je préférerais quand même. Non. Ils n'ont pas de parole. Ils n'ont rien. Nous, on fait ce que la justice nous oblige à faire. On s'est engagé devant le préfet, on à la dalle. Et nous, on tient nos engagements. On demandera aussi à monsieur le maire de venir constater que la dalle est bien faite. Allez, voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, un gros tas de merde, voilà. C'est ça qu'on veut. De la merde chez le voisin. Avec Cameron, ma manette de PS4. Non mais putain, en plus personne les empêche, genre. C'est pas normal, hein. Oh, mais qui a... Mais c'est quoi ce bordel, là, devant chez moi? Vous avez les ennuis des voisins aujourd'hui? Ben oui, 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 qui dure depuis 2003. Oui. Il paraît ça. D'accord. Et ça concerne plus ou moins une mise aux normes, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez fait une démarche pour la mise aux normes de votre exploitation? Non, c'est pour ça que j'ai été condamnée. C'est mon entêtement qui a valu que j'ai eu les 50 euros depuis 2004. Prétendais avoir raison et j'avais tort. Vous êtes seule? Oui. Seule exploitante? Oui. Évidemment qu'elle est seule. Oui. Vous avez payé déjà quelque chose? Ah oui, ça y est, ils ont prélevé, ils ont bloqué mes comptes. Dans la soupe de son mari. Depuis 5 décembre 2008, mes comptes ont été bloqués. Pendant ce temps-là, il y a l'autre qui lâche sa mère derrière. J'ai payé 16 000 euros et j'en ai encore. Il fait bon, hein? Il fait. Vous avez vu? Ça veut dire que maintenant, vous êtes sous astreinte de 50 euros par jour? Oui. Ben avant aussi, hein? Avant aussi? Ah oui. Très bonne transition. Il réagit pas, lui. Attends, tu les as pas encore vu ce qu'elle vit en face. Ils doivent travailler, là. La piscine, elle est là, juste à côté du tas de fumier, juste derrière. Voilà, coucou. Ils sont contents, en plus. Mais voilà. C'était une bonne idée de la mettre là, moi, je trouve. Hein. Ah ben, ils sont chargés, bien. Mais moi, je suis pas chez moi. Elle a fait tomber un vase. Non, vous êtes plus la petite chose, la petite chose à abattre qui dérange parce qu'on veut votre place, mais là vous êtes encore là pour l'instant. Oui, 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 là je refais un petit peu. Mais elle est raciste ou quoi? C'est quoi son problème? Alors laissez faire. En gros, tu verras, c'est juste parce que vu que c'est des Parisiens qui ont de l'argent, tout le village les déteste. Alors qu'ils ont rien fait du coup, ils veulent leur casser des couilles. Non. Il y a une potiche qui est tombée. Mais ça va être moi qui va avoir fait ça. Je vais l'avoir cassée. Ah ouais, c'est ça que j'ai vu là. C'est elle qui a fait ça? Non, en vrai, c'est possible! Jurassic Park! Oh, le gros tas de merde! Fallait bien prendre une décision, hein. Bon, bonjour tout le monde, je vous ai laissé une merde devant chez vous. Pas trop, parce que j'ai dit. Attends, c'est eux là? C'est un pas franchi heureux. Parce que... Non, c'est pas eux, c'est pas eux. Non. Heureusement, parce qu'elle leur parle normal. Bon, ben, enchanté. 50 euros, hein. Ça dégraisse, hein. 17 000 euros, hein. Il a demandé 500 euros à la base, c'est leur conclusion. 500 euros par jour. C'est la justice qui est rentrée dans leur jeu. On croirait que j'ai tué père et mère pour avoir une telle condamnation. Ah, hein. Elle est matrixée. C'est la reine des aigrettes. Elle continue à faire des tweets aujourd'hui. Hein. Elle a un compte. Elle a 10 secondaires. Ouais. Je voudrais qu'ils arrivent en début d'après-midi. Faites attention à son PV. Tout ça là.
Alors l'autre, vous allez voir, la blondasse, elle va exploser. La blondasse. Oh, c'est pas possible, mais Jacques, où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce qu'on est? Oula, l'école. Ah, ah, les voisins. Ah, c'est... Oh, I'm coming home. Là, voilà. Oh, oh, oh. Oh, c'est vraiment une grosse connasse. C'est une connasse, yeah, elle est insupportable. Voilà. Elle a un haut-parleur en mode Michael Youn. Morning Live. On a laissé de la merde. Ah, ça sent pas trop la merde, mais quand même. Ah. Ah. Ils ça va? Vous avez bien travaillé? Regarde, il y a un comité d'accueil en mode ils l'attendent pour l'anniversaire. Surprise! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que cette... Cette teufeur? Cette teufeur qui a fait ça? Vous pouviez pas le mettre dans le salon? Ramenez-le-moi ici. Ça aurait peut-être été plus correct. Oh, le pauvre. Monsieur le maire, bonjour. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Là, je suis comme vous, j'arrive donc les madame. On vous a fait une petite blague pour fêter vos 67 ans. C'est pas connotable. Nous sommes en train de mettre en conformité ce que vous avez demandé. Attendez, monsieur. Pour que mademoiselle. En conformité, monsieur, c'est les conformités. Faut pas me faire quelque chose de provisoire. Hein. Oh, bien sûr que non, parce qu'il faut me faire venir des organismes de compétents. Si je comprends bien, vous m'attendiez. C'est le comité d'accueil. Non, c'est le comité de soutien. Comité d'accueil, c'est très bien ça. Alors expliquez-moi ça, monsieur. Est-ce que c'est un comportement? Pourquoi vous n'avez pas besoin d'entendre? Expliquez-moi cette merde de vos chez moi. Parce que. Bon, là, je vous parle pas à vous. Vous me parlez, monsieur. Non, pas à vous. Écoutez-moi. Moi je fais des échos sur YouTube. Vous ne connaissez pas l'affaire, alors vous vous taisez. Hein. Oh, je connais l'affaire, monsieur de Lyon. Non, madame, la bagarre des vieux. Vous ne la connaissez pas dans le fond, madame. Si, non, pas du tout. On la connaît jusqu'au bout. On connaît tout, on a tous les papiers en main. J'arrive de Paris. Tiens, vous fussiez là. Oui, on va voir demain. Par contre. Heureusement que les autres sont pas sciés, depuis qu'ils ont fait chier. Depuis 2003. Dès que ça va être sec. Depuis 2003, depuis 2003. Méchante comme ça. Mais c'est vous qui êtes méchant. C'est le vrai méchant, c'est Marvel. Vous aviez quelqu'un qui avait une ferme avec une brouette qui ne vous salissait pas. Vous avez voulu remuer la chose. Vous lavez la chose, que voulez-vous? Maintenant, vous êtes dans le purin. Non, vous êtes dans tout, que voulez-vous? Attendez, monsieur de Mur. Mademoiselle Jeu était condamnée à 50 euros par jour d'astreinte. Monsieur, on a fait un protocole d'accord, elle l'a refusé. Comme... Non, c'est non, l'argent. Non, 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 non. C'est un contender. Chantal, vous me faites des misères parce que... Moi, j'ai pas de l'arthrite, hein. Moi. C'est la loi de passage, c'est tout. Vous allez critiquer parce que j'ai mis des longs... On est en train de... Ce que vous avez demandé, monsieur... Va t'acheter un dentier. C'est grave. Allez voir un psy. Eh, vous êtes sénile, vous. Oui, vous lissez l'huile, c'est un sauveur vert. Vous êtes sénile, triculoté. Le fumier vous dérange là-bas. Chantal. Et il vous dérange là. Et merde. Chantal, monsieur con. Oh non, écoutez. Pour moi, vous êtes un méchant. Moi, je suis gentil. Vous êtes un malade, un jaloux, un haineux. Ouais. Ils font pareil, attends, ils ont dit vous comme nous. Vous êtes un malade. On est en arrière. Il a raison par contre. Vous êtes un malade, un jaloux, un haineux. C'est la caca-box. Ça se voit. Vous êtes un mal baisé, ça se voit. Mais Daniel, perds pas ton temps, tu as bien la gueule que t'as. Regarde un peu. Un homme si distingué que vous, avoir un langage si vulgaire. Oui, parce qu'avec des ploucs, ça ne convient pas. On sent. Allez, viens, ça, ils vont te faire des misères. Putain, c'est une dinguerie, les clash de vieux. Tu vois? Juste, ils les détestent, juste parce que tu vois, bah, ils ont de l'argent et ils parlent pas comme eux, donc du coup, ils sont en mode, eh bah, on va vous faire chier. Eh, la tolérance, ils en ont pas. Hein. Non, il est 1h du mat, mamie, il faut les laisser. Ah bah, chie dans le tas de fumier, ils seraient tous. Attends, j'ai pas de fumier. Et la cerise sur le gâteau, c'est ma merde devant leur paillasson. C'est sûr. Ça retourne, de toute façon, mais enfin bon. S'il allait là-bas en Corse, comme j'ai reçu des courriers. Qui m'ont dit, il neige, s'ils allaient neige, encore, ils s'ils n'existeraient pas longtemps, parce que voilà longtemps que ça s'est brûlé, la cagnard. Elle n'a pas de maison, en fait. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. En fait, c'est pas chez elle du tout, hein. Personne ne la connaît. Elle habite à Paris, elle est venue ici. Elle fait le déplacement le matin. Parce qu'on n'a pas vu, c'est sa maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Et voilà, on rajoute un peu de merde.
Mais c'est... la merde dans des jus. Allez hop. Vous m'emmerdez. Ah ouais, c'est vraiment sa vie, quoi. Alors là, c'est bien, c'est bien. Enfin, on peut rien dire, hein. On peut plus rien dire. Alors, attendez. On peut plus rien dire. Regardez, madame, vous allez voir. Oui. 1, 2, 3 mètres. 3 mètres. Et là, on a à peu près un stock de... Allez, on va dire 100 mètres cubes. Oui, bon, il abuse un peu, là. Oh, ça doit puer la merde. Et tout ça, ça s'en va dans les... Regardez. Ça s'en va dans, regardez, ça s'en va dans les eaux pluviales. Regardez l'écoulement qui se passe là. Regarde, Geneviève. Ah, il dénonce. Oh, le jus de purin. Hein, ça va dans les eaux pluviales. Ah, ça, c'est dans l'oasis. Hein. Là, c'est pas possible. On y va. On va aller. On va aller prévenir les gendarmes s'ils doivent faire quelque chose pour nous, parce que là, ça devient désolant. Hein. Bon, alors moi, j'ai une catastrophe, un gros ennui, un gros pépin. Petit ennui. Nous sommes hier soir de Paris, et nous avons trouvé devant. Il rigole l'autre. Ma fille et mon fils. À peu près 100 tonnes de fumier entreposées là. Il y a Mister Beast qui a foutu du fumier devant chez moi. C'est concept de merde. C'est impossible que vous puissiez venir faire un constat, faire quelque chose pour nous faire évacuer ce fumier. On ne peut pas vivre avec ça du tout. Hein. D'ailleurs, hier soir, nous étions attendus par un comité d'accueil très houleux qui nous a insultés et banni tous les noms. Et je vous cite, la caca box. C'était quand même fort tard. Un collectif de merde. Là, on est quand même anéantis. Des gros cons. Non, on n'a pas besoin de voir ça. Oh, retourne faire du casino, merde. Oh, il s'affume. Oh, les belles, celle-là. Elle sera dans le montage. Hop. Ah bah tu vois, moi je la récupère à la source, la merde. Direct. Elle va faire un dispositif pour aller directement dans le fumier. Elle a fait un truc à la hyper redstone et ça va direct là-bas. Générateur de fumier. Hop. Eh mais bon, non mais allez, au bout d'un moment faut être violent. Attends, pas possible. Allez, elle raconte. En vrai, j'aurais pu la vieille avec de la moron. Ah non, tu bousilles sa brouette déjà là. Moi déjà j'aurais pris son chapeau là. Mais attendez. Ah ouais, Théo, les menaces. Vas-y. Vous lui donnez quel âge là? Bah moi je lui donne vraiment 80. Elle a plus frère, elle a plus de dents, elle a plus de lèvres, elle a plus rien. 76. Ok, vous allez voir, en un donné, je crois qu'il dit son âge, vous allez halluciner. Bon bah vas-y. J'aurais pu faire une prédiction. Il y en a qui le savent. Elle a déterminé que c'était elle qui était propriétaire de la cour, alors que moi j'ai acheté avec un acte de propriété que c'est une cour commune. Mais elle chante à le jeu. Comme ça fait 15 ans qu'elle occupe les lieux sans personne, elle a fini par imaginer, par croire que c'est à elle. Alors ce scénario-là, il faut qu'elle arrête. C'est pas à elle de déterminer si la cour est commune, puisqu'il y a un procès en cours. Je lui ai demandé hier de bâcher la fumière pour pas que ça soit en face de votre porte. Bon, ça va durer 15 jours, 3 semaines. Ah bah c'est sympa, alors. Merde, je veux pas 15 jours, un tas de merde devant ma porte. Et foutez du Febreze, faites pas chier. Et vous l'avez dit vous-même, si je fais ça chez vous, vous allez pas le supporter, allons. Si le temps se rassainit, mademoiselle Jeu va faire enlever tout ça. Écoutez. Là, vous allez commencer à nous raconter un film à la Chantal, et ça, c'est un film qui est pas très agréable à voir. Car. Il y a un champ qui est à 30 mètres, vous le savez. Pourquoi elle ne l'a pas mis dans son champ? Deuxième possibilité, pourquoi elle n'a pas fait comme elle l'avait fait précédemment, avec deux bennes? Qu'elle emmène deux bennes là-bas. Si je vais, monsieur le maire, regardez-moi 2009. Dans les yeux. Si je vais chez vous, je vous mets 50 mètres cubes de fumier devant votre porte. Ils disent 2007. Répondez-moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mais on fait quoi? Non, répondez à ma question. On fait qu'est-ce quoi, que vous faites? Une connasse de mamie à côté de chez soi. Bon, tout à fait. Déjà, vous premièrement, le chat. Mais vous laissez ça comme ça? Non, je à la personne de je vais pas le dire moi-même. Et alors, cette personne-là, vous la connaissez? C'est une malade. C'est une pathologie. On peut pas parler avec cette personne, il n'y a pas de dialogue. C'est du monologue, c'est comme si on parlait au diable. Alors vous, en tant que maire, vous avez pris des responsabilités, il faut aller au bout. Cette personne-là, elle est en dehors de la loi, elle n'a pas le droit d'entreposer 50 mètres cubes de merde. Mais non, elle est pour le Moyen-Âge, quand même. Fraîche. Je sais très alors bien qu'elle veut faire jouer une rivalité. La solidarité, qu'elle fasse jouer. Une rivalité, il a dit. Hein, la personne qui est dans le besoin. Un peu loin elle a dépensé 200 000 balles pour faire des procédures qu'elle a perdues. Elle a fait 7 procédures contre nous. Elle a dépensé plus de 200 000 balles. Je m'excuse, je parle en franc. Hein, compte tenu de mon âge. Et qu'elle vienne aujourd'hui vous dire monsieur le maire, je suis dans la précarité. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez. Non, mais... Le maire il s'en fout, en plus il est de son côté le maire, ça se voit, il a rien à dire. Eh oui.
Elle a fait des procès, en fait, raison, riche. Tout le village, il est du côté de Chantal, parce que Chantal, elle bannit tous les gens. Voilà. Moi, je suis une pauvre mamie. J'arrive pas à marcher. Ouais, c'est ça. Elle fait miskine, en fait. Allez. Qu'est-ce que je peux bien y faire, moi? Tourne-moi, regarde-moi. Tiens. Regarde-moi. Je suis pauvre. J'ai des bouteilles qu'au plus. Ma fille, écoute, vraiment. Voilà, attends. Oh, t'es pas belle comme ça, hein. Oh non. La cour lui appartient. Ah ben, même le pouvoir. Ben, ils ont construit chez moi. Leur limite, c'est... Non, mais elle casse les couilles. Regardez les lampadaires. Oh, elle a mis un pauvre lampadaire. Ah, ouais, d'accord. Moi, j'en veux pas. Qu'ils mettent de la lumière, mais à leur façade. Regardez. Moi, je vais être dans le noir, moi. C'est en or, ça. Ok, donc. Une tonne de fumier, pourquoi un lampadaire? Tu vois, chou, ça va. En plus. Ça déteste la lumière. Oui, ça va. Tu vois, ils sont juste jaloux. Ils parlent du fait qu'il a fait ses gouttières en or. Par terre qu'ils ont fait chez... Putain, elle a bousillé la bagnole, là, le phare. Ah oui, ah oui. Mais attends, mais en plus, il y a un barbecue, là, il y a tout le monde qui s'est ramené. Et ça passe. On est tous allés voir le gros fumier. Le snap, là. Tout ça, c'est chez moi. Là, Théo, l'image ou pas? Oui, je l'ai. Vas-y, on va. J'ai dans ma tête, sinon, dans ma tête, mais j'ai pas... Ah, voilà. Ils ont fait tout ça chez moi. Mettez-le à faire ciné, là. Sur ma propriété. Ah si, je l'ai, c'est bon. Ce que vous voulez, c'est pour ça que on va continuer de se battre. Personne n'a rien. Ils sont octroyés la parcelle. Voilà où on en est. Alors bon. Oh, le bruit que ça fait par contre. Mais c'est pas trop chiant en plus. Hein. Mais en c'est plus, cool. Ce qui est ouf, c'est que elle fait travailler tout le monde pour elle. C'est ma. Elle fait travailler tout le village pour elle. Elle paye pas un rond. Pourquoi ils mettent du ciment? Hey, je crois qu'ils vont faire une balle. Non mais arrêtez. Et les gars, vous nous faites un truc bien, hein, pour remettre le fumier bien à plat, hein. Non mais c'est pas possible. Ça va être un fumier de luxe, hein. Ah oui. Ils font la traque maniaque. Il y a le zérator, hein, qui va venir et il va caster le fumier, hein. Donc vous faites un beau truc, hein. Mais il faut les arrêter. Oh, possible. Non mais c'est pas... Bravo, mais c'est une secte. C'est une secte. Le comité était là. Puis je m'assure, s'il y avait eu des pires, on était là. Oh, les pauvres, mais déménagés. Par moment, j'en veux quand même beaucoup à Chantal. Je l'aime beaucoup et je l'aime toujours beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour elle depuis toute petite. Hein. Vous savez que je l'ai eu toute petite, ouais, Chantal. C'est une connasse. Toujours occupée. Hein. Tu vois, ah, c'est ça le problème. T'as vu, elle dit, je l'ai toujours eu toute petite, Chantal, je m'en suis beaucoup occupée. Je t'adore. Elle est plus jeune que la meuf qui parle, là. Quoi? Ce changement brutal. Oui. C'est la meuf qui parle qui dit qu'elle s'en occupait quand elle était petite. Elle est magnifique, Chantal. C'est-à-dire que au-delà, ils sont pas vraiment de Paris, ils sont un peu là aussi. J'ai rien compris à ça. Lorsque nous avions une fête de famille, que ce soit une communion, que ce soit Noël, que ce soit un baptême, Pâques, etc., elle a toujours été parmi nous. Je lui disais pas, hein. C'est systématique. Ah, c'est-à-dire qu'ils la connaissent bien. Elle la connaissait depuis longtemps. En fait, je pense que eux, c'est des genre parisiens en mode, ils ont fait un business à Paris, mais ils viennent d'ici. Et en mode, à mon avis, pour leur retraite, ils ont acheté la maison et ils viennent pas tout le temps. Dernière fois, t'es là. Ouais, peut-être. Elle arrivait, c'était comme ça. C'était elle faisait partie de la famille. Hein. Et j'avoue que moi-même, j'aimais bien la gâter. Parce que je sais les conditions et les choix de vie qu'elle a. Ça, je les respecte. C'est normal. Et c'était un bonheur de lui faire goûter un peu les choses qu'elle n'avait pas l'habitude de manger. Elle n'avait jamais mangé de saumon, elle n'avait jamais mangé d'huître, elle n'avait jamais mangé... On lui a fait même goûter un peu de caviar. Il est trop sympa. On lui a fait goûter des choses qui étaient un peu... Il lui a acheté une bagnole. On lui a dit, oui, il fait le fanfaron, ils ont... Non, nous, de temps en temps, quand vous faites une fête, vous faites du foie gras, vous avez des trucs comme ça. Donc, on lui a fait découvrir un peu tout ça. Et aujourd'hui, là, j'avoue que c'est incompréhensible de voir maintenant cette haine qu'elle a envers nous. Parce qu'on n'a fait que la gâter. Quand on partait, des fois nous avions des mets qui étaient de très bonne qualité, qui n'étaient pas finis. Hein, on pensait toujours à les rapatrier chez Chantal. C'était un courant de sympathie qu'on avait pour elle. Tiens, Chantal, au lieu de jeter ça, on va te le donner. Oui, ben, oui. Madame Demure lui a donné, je ne peux pas vous dire combien de fois. Ça, elle reste en trognon de pomme. Ça aussi. Ils sont en train de la vanner autour d'une table, là. Porter, enfin, lui donner des choses. Et la Chantal était complètement folle. Quoi, c'est pas on les nichons qui pleuvent, là. On en met ce premier. Quand Jacques a vu sa Jaguar, tu te rappelles? Ah, on oui, est parti la journée entière la promener.
Je lui mets la place devant. J'ai assis toi devant, Chantal, tu vas être très bien. Mais on faisait pas ça pour faire. C'était pas le monde comme vous avez. Hein. C'était parce que c'était un élan de naturel, quoi. Dire tiens, on pensait toujours à Chantal. Que voulez-vous faire contre quelqu'un qui est borné, qui est buté, qui est... Il faudrait la marier. La marier. Faut la marier. Faudrait la baiser. Qu'est-ce que tu as dit pour la marier? Alors, attendez, ouais. Et alors là. Alors là, il faut y aller avec des crampons. Hein. Bon. Ça veut dire que le caméraman, il y a un héritage. Faudra mettre des crampons. Il y a un héritage à prendre. Ah, c'est que le caméraman, il change de famille aussi. 40 comme ça, vaches. Oh, c'est un coup quand même. Mais le caméraman. Non, non, il veut pas. Le caméraman, il doit sucer Chantal et des fois, il suce les vieux. Parce que là, j'avais peut-être. J'avais raison. Pour bien caresser vos morceaux. J'avais raison. J'ai fait une proposition. Je paye la noce. Non, enfin, même célibataire, je vous dis non. Il la vanne, ça y est. C'est si on vanne sur Chantal. Oh, on est chez elle, on a jamais vu chez elle encore. Ah bah là on voit la arrachée d'Adati. Bon, ça a l'air d'une vie de rêve. Une vie de rêve. Voilà, petit stream. Oh, la vie de Eno serait là-dedans. Voilà, on est 10. C'est Tibro. Vous voyez Tibro vieux, c'est son mec. La bonne soupe, le bon bouillon. Ça va, ça se voit qu'elle a pas une vue dégris en plus. Ouais. Voilà, on est tranquille en petit comité, c'est sympa. Oh, c'est... Oh, le plan était trop triste en fait, elle parlait même pas. Oh, la bah, tu veux qu'elle parle à qui? Toute seule. Non, mais genre... Allez, elle est de retour. Allez. Un peu de... Allez. Là, j'espère que les vaches ont bien mangé de la merde. Ah bah dis, j'ai un peu tombé ça alors. Je suis sûr. Il y a un pot de tombé. Je suis sûr, elle nourrit trop mal les vaches, elle leur donne du coca et tout. Oh là oui. Oh, allez, vous m'en sortez une bonne. Mais je crois qu'on les vaches à un moment donné et elles sont trop maltraitées dans le sens où elles sont dégueulasses, elles en prend pas soin. À réparer. Mais ça, c'est le vent, etc. C'est pas grave. En tout cas, Hugo, j'espère qu'il en a acheté une belle parce que là, ça fait 40 minutes. On la mettra chez le voisin, Hugo. Elle doit être à 35 mètres de notre maison, de notre porte là. Et il n'y a pas de fosse pour récupération des. Mais après, il faut se défendre là. Putain, faites quelque chose. Si elle devait faire, Ils ont fait un procès. C'est fini. Ils respectent pas les légales. Ouais, mais ils sont trop diplomates. On est bien d'accord entre nous, je veux dire. Bah, mais ils peuvent rien faire. C'est là, ça passe. Respecter les lois. Moi, je vais chez elle, je mets une baffe et je mets du son à fond et je cache là-bas. Respecte rien, cette personne. Dès qu'elle sort chez elle, je fais. La loi, c'est elle. Tu mets des sons de bord. On est tranquille. Bon, enfin. Chanel, faut être respectueux de tes amis. Mais d'accord. Alors, viens, on s'en va. On part. On vit un cauchemar. Oh oui, là, c'est ça. Bah alors, la mamie. La mamie, j'ai mis une barre chez toi. Je ne vais se barrer dans le midi. Quand on est avec les fous, faut pas rester. On va devenir fou. Hein. On va devenir fou avec ces gens-là, c'est pas possible. Ah, en vrai, il dit là, déménager. Hein, c'est parce que. Faut y aller, c'est monsieur. Beau ce pays, pourtant. Bon, il est beau le paysage. Recule de ton pays. Hein. Ah, vraiment, recule, hein, parce que là, il est comparé. Recule de ton pays, hein. Il a dit. Ça pue ce pays. Ça sent la merde ici. C'est du jardin. Ouais. Est-ce que la tête est bien sur les pattes? Oui, oui, oui. Ah. Voilà, faites-la chier une bonne merde. Tirez. C'est bon. Encore? Allez-y. Ouais, bon. Elle pousse. Elle pousse. Elle est sortie. Ça y est. Encore, elle est sortie. C'est bon, elle est sortie. Ouais, bon. Allez. Et du coup, ils vont mettre le bébé devant le truc. Allez hop, un de plus. Ouais, il le finit, allez. Ils vont mettre le cordon. Oh non, ils ont mis le placenta ici. Non. Oh les gros dégueulasses. Mais en plus, j'avais raison. C'est la gendarmerie parce que vous avez été. On dirait d'une glace fondue. Alors, moi, je viens vers vous pourquoi? Parce que les événements s'aggravent. Voilà. Car non seulement nous avons 50 mètres cubes de. C'est la saga Harry Potter. On a la coupe de feu. On trouve des placentas. Là, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour prévenir les services d'hygiène. Je vais finir par me mettre en colère. Ah, et puis son placenta, je vais lui faire bouffer. Ouais, c'est comme ça. Ah mais monsieur, ça va se terminer c'est comme ça. C'est comme ça qu'on t'aime. Parce que je suis pas d'une génération de couilles molles. J'ai quand même 78 ouais, ans. Ouais, j'ai vécu des événements que pas beaucoup plus gros. Et aujourd'hui, je suis à la limite du supportable.
Mais personne ne sourire de bâtard. Monsieur, dans c'est ma le démarche, Joker. Je demande que ça. La vérité et la justice. Parce que moi, les aides extérieures, j'ai que dalle. Le Batman, que ça soit le service d'hygiène, que ça soit tout le monde. Tout le monde me tourne les talons. Démerdez-vous. Après, ah, le drame arrive. Ça fait 7 ans, monsieur, que nous sommes sur cette affaire-là. À Gotham City, j'avais l'habitude d'en enculer. Elle a perdu 7 procès. Et les gens sont solidaires. Pourquoi ? Je sais bien, monsieur Demure, mais bon, ça, après, c'est... C'est la mentalité française. Alors, c'est la question que je pose. Vers quelle main je peux me tourner ? Quelle main peut me secourir dans cette situation un peu stupide ? Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez dit ? Mais monsieur le maire, c'est une potiche. C'est une potiche et j'ai pas peur des mots, monsieur. C'est ah, un c'est Antoine Daniel. Bien, il mange à ma table, mais je lui ai dit qu'il n'avait pas de couilles. Hey, rire de droite, ça reste terminé droite. Par un drame. Ça m'étonne, est une potiche. Ça pas reste terminé rire. Par un drame. Alors là, vous allez être obligé de jouer le rôle pour faire les constats de dégâts. Je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. Ok, je compte sur vous, monsieur. Allez, Dieu vous garde, au revoir. Dieu vous garde, c'est comme ça qu'il dit. Bon. Est-ce que oh, il a balancé. C'est que cette bande de cons, c'est pas le toqué. Elle a rien de ce qu'il faut faire. Le chien, je vais le raser. Il y a urgence parce que je vais lui faire bouffer son placenta en soi. Il va éduquer son chien il va pour qu'il morte les couilles à la vieille. Essayer d'apporter une preuve. Oui, il me faut que je fasse la photo de ça. La situation, parce que ça devient... Oh là là. Je vais y voir ce qu'on va te dire. Alors hier, le tas s'arrêtait là, tu vois, regarde. Ouais, je vois bien. Le tas s'arrêtait là, et aujourd'hui, elle a remis tout ça là autour. Ça me porte au cœur. Regarde ça. Quelle horreur. Oh non, je peux pas, moi je peux pas. Mais c'est de la gueule d'âme, là. Quand même, alors dis donc. En fait, amenez-moi votre appareil photo. Oui. Faites-moi une photo, là, quand même, pour essayer de voir. Oh là 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 là. Laissez des traces de ça. C'est fait, c'est bon. Caca Box TV, mettez-le, le placental. Faites le tweet, là. Hashtag Berbas, hein, vous n'oubliez pas. Regardez. Je peux pas rester là, ça me porte au cœur, où on va. Mais on est chez qui, là? On est chez les fous. Je crois bien. Toujours c'est Resident Evil Village. Hein. Ah, c'est un bon, mélange des deux, c'est la vieille du 7. Pour bien prendre tout, mon... tout ça, monsieur Demure. Ça y est, bon, bah, ça va. Bah non, je l'ai pas prise. Hein. Ah, bah du coup, ils l'ont pas mis là, là ça sert voilà, à quoi ça bien. Je crois que c'est là où ils vont mettre le fumier après. C'est très bien. Ah, bah voilà. Non mais c'est un film et d'horreur, hein, parce que si tout le monde se retourne contre eux, c'est... On est toujours dans le village. Bah ouais, hein. En plus, hein. Moi j'aurais trop peur d'être dans un village où tout le monde me déteste. Alors... Bonjour monsieur. Voilà. Je peux rien faire là, il a essayé de porter plainte, ça marche pas. Il s'arrêtait là, j'y retourne les pas. Les filles qui vont dire, oh c'est rien. Il va être avec elle aussi. On l'adore Chantal, allez. Alors retirez-moi ça, s'il vous plaît. Elle est marrante quand même. C'est pas vivable ça. Bah c'est pas... C'est pas possible, hein? Mais j'en suis. Moi je craque complètement, je suis pas du tout, hein? On va pleurer pas. Je fais plus, Je la ferme. Alors là. Mayday, on a 40 kilos de poing. Ici, c'est chez moi. Alors où ils sont les gens? Oh la phrase de raciste! Pareil, goût de merde. Interdit, hein, c'est la barrière. Hein. C'est le détroit de Gibraltar, ça. Hein. Personne passe. Ah bah, ça. Alors, Chantal, vous mettez les places, Chantal. Mais lui, ça se voit, il suit ses bottes de sa femme. Oui, hein. Franchement, bon. Il s'était pris un coup de pression par le retirer, quand même. Oui, non, mais c'est... attendez, il va là, hein. Ouais, est-ce il est avec elle. Non, on va essayer de la mettre. Oui, il est avec elle. Momentanément. Non, mais attendez. Oh, je Chantal, t'es chiante. Bon, allez, on va boire un café. Oh, Chantal, t'abuses quand même. Vous l'enlevez provisoirement. Où est-ce que je le mets? Où est-ce que je le mets? On ira l'enterrer dans nos champs, si vous voulez. Non, non, ça n'existe pas, ça. Mais pas. En plus, parce attends, elle habite devant là. Oui. Donc ça l'a fait chier autant qu'elle, elle est débile ou quoi? Oui, c'est pour lui casser les couilles. Moi, je le donne aux vaches. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de se montrer un peu plus intelligent. Oui, oh. Tu demandes à Chantal beaucoup là. Je l'enterre en fumier. C'est nécessaire. Je le fais, je le fais. Ça marche. Je le fais. Il n'y a pas que ça, il faut enlever quand même tout le fumier. Je vais vous signaler autre chose. Par contre, il y a le petit-fils qui a le permis de conduire. Il oublie de mettre le A.
Non, mais c'est pas grave, ça. Ah non, mais attendez, les autres, oh la balance de merde. Les autres seraient pénalisés, mais lui, il l'est pas. Il se permet d'aller à Saint-Benin comme ça. Quand, okay. Quand il conduisait à 13 ans, eh ben oui, avec sa ben grand-mère oui. qui disait qu'elle s'en fichait parce qu'elle avait les gendarmes en la poche. Ben oui, voilà. Hein, bon, alors. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je le signale quand même. Ils vont pisser, ils montent pas la cuvette, ils pissent sur la cuvette. Non mais allez, c'est dégueulasse, non mais vas-y, tu vas te faire foutre. Les normes européennes. Ta gueule, elle est folle. Elle chante des chansons horribles. Chantal, gaspillez pas la viande trop chère en ce moment. Je m'en aperçois, j'en mange pas souvent. Non mais les flics, y a pas que ça quoi, je crois, il me semble qu'il y a un petit... Bah y a 6 mètres 20 de haut de fumier quoi, les flics, pour faire un foot. Ils règlent juste le placenta, ça s'arrête là. C'est bon, je passe à la fin. Bon, ben voilà une affaire bien résolue. Vous sollicitez pour venir. Bah, moi, non, vous ne venez pas. Moi, je veux rester. Eh bien, on prendra un terrain là. Neutre, alors. Oui, on va aller, si vous non. voulez, à la commune, non, non, je ne sais pas où, là. Oui, on peut très bien rester. Ah oui, là. Non, mon mari, sur le lieu du litige. Moi, ça me va, le fumier, jusque là. On en a par-dessus la tête. Ah oui, par-dessus la tête. On ne croirait pas. On essaie d'arranger les choses. C'est pas pour s'animer, quand même. On vous a expliqué que nous, on a essayé de faire un maximum pour limiter cette astreinte de 50 euros par jour. Mais je comprends très bien, on ne la veut pas, cette astreinte. Ah, ça, vous avez bien retiré l'argent, madame de Lourdes. Non, mais l'argent est bloqué, monsieur. Non, vous l'avez bloqué, vous n'avez pas touché. Non. Mais vous deviez lui rendre. Mais monsieur, on a dit qu'on rendait l'argent. Ah non, bon. C'est mon vrai. Oui. Tu l'as entendu à la préfecture, Chantal. Ah non, oh non, j'ai rien entendu. Si, si, je suis comme vous. J'entends ce que j'ai envie d'entendre. Tu vois. Ah ouais. On va discuter avec toi, Chantal. C'est bien, si. C'est pas possible. Si vous avez bloqué l'argent, il n'y a aucun problème. Mon mari m'a dit à Chantal, le problème, on te rendra avoir un protocole pour ah oui. Qu'est-ce qu'on a entendu, moi j'étais pas. Parce que monsieur, il faut bien faire un protocole, pas fait, le Chantal protocole. Dit oui un jour et non le lendemain. Ben, je suis comme toi, exactement. Bonnet blanc et blanc bonnet, et voilà. Chantal, arrête, non. On n'est pas d'un âge à faire. Tu es une grosse connasse, oh, je suis une mauvaise bébé. 17 ans puis 75 ans, c'est une honte, Chantal. Tu m'entends? Il n'y a pas d'âge pour Chantal. Non, pour la connerie, ça c'est vrai. Ah, elle dit l'âge là. Oui, oh non, non. Vas-y, vas-y. Allez, déjà devant ta porte. Toi aussi, Chantal, regarde. Non. On n'est pas d'un âge à faire des comédies oui, comme ça. Oh, hey, vous, à 77 ans, puis 75 ans, c'est une honte. Chantal. Tu m'entends? Ok, et eux, ils ont 75 ans, 77. Non, oh, pour mais la connerie, ça, c'est vrai. Oh, hein. Regarde-toi, Chantal. Oui, oh non, Chantal, non. Balais, ils ont déjà devant ta porte. Chantal. Toi aussi, Chantal. Oui. 75, là? Non, je t'ai rien non, dit. Non, non, 75, c'est la meuf de Marie. Non, ça m'enlève rien de la propriété. Point barre. Vous savez très bien. Moi, je ne peux pas discuter ici. Je ne peux pas discuter avec Chantal qui s'énerve tout le temps. C'est impossible. Oui, calme, pacifique. On va discuter ici. C'est qui ça? Chantal, tu dis ce que tu veux, moi je vais discuter dehors. C'est clair. Oh, c'est les odeurs. Écoute, non, mais arrête de vous battre avec le fumier. Numéro 5 de Chanel. Je ne prends pas le numéro 5 de Chanel, Chantal. J'en prends un autre, mais pas celui-ci. Hein. Mais toi, tu le prends aussi, Chantal. Rappelle-toi quand il y a 10 ans de ça qu'ils m'en parlaient. Alors tais-toi. Hein. De quoi? Tais-toi, Chantal, de dire des bêtises tout le temps comme ça. Ça va se battre, voilà. Ça va se battre. Mais calme-toi un peu, s'il te plaît. On connaît ce que tu peux faire. Bon, je rapporte ça. Elle est gentille d'un coup. Bon, ben, je vous laisse. Hein. Bonne soirée. Je vous rapporte des bacs à moi. Mais lui, c'est pas qu'il veut pas. C'est elle qui veut pas qu'il vienne, Chantal. Elle m'a sauté dessus comme une folie. Il n'est pas sorti d'acheter toi. Sur la fenêtre. Allez, le bon bébé. Allez, vous allez bien chier, là. Vous êtes mon usine à merde, vous. Attends, mon petit. Viens, mon petit bébé. Les vaches, c'est vraiment les schlingueurs. Oui, maman. Oui, maman. Oui. Les schlingueurs. Hey, si tu croises le gang des schlingueurs, si la puanteur te fait pas peur, la bombe. Tiens. Aide bien, mon pépère. Aide bien. Je vais dire à Jean de faire pareil. Il y a plein de vaches. Allez, hop, on y va. T'as vu l'état des vaches, comment elles sont sales, c'est atroce. Ouais, non, mais c'est trop fermé le truc là, c'est pas en plein air. J'espère qu'elle les met dans des champs la journée. Je dirais pas. Hein. Parce qu'il y a les chevaux là. Enfin les chevaux. Ouais. Et ouais. Ouais. Ah écoute. Écoute, on a pas tous le cerveau de Chantal. Ah, il y a du sang encore hein. Voilà. Allez hop, les petits courriers du jour. Colis Amazon. Ma rubinette, viens. Que je te porte dans les bras. Ah, ma fille, tellement c'est crade ici. Bon. Viens, on va aller voir ton papou là-bas. Elle a pas le temps de le mettre dans des champs. Oh là là. Par contre, le temps de mettre de la merde chez les voisins.
Pauvre Joël. J'ai oublié de nourrir les merdes. Par contre... Non mais vas-y, comment elles sont dégueu, c'est mal, la boue séchée, la merde séchée là. C'est pas possible hein. Tu veux essayer notre coup de téléphone anonyme? Mais enfin j'ai pas répondu. Mais c'est pas normal en plus ça. Allez bébé. Mais deux coups de fil anonyme là. Bien sûr que non. T'as pas le droit de... Hugo Clément, tu fais ton boulot peut-être. Ah c'était gentil. C'était très gentil. C'est pas parce que j'avais été la plus belle fille du village, du pays et de la région. On t'en s'en fout. Il fallait que je m'octroie des droits pour enlever du fémier à une pauvre vieille. Laisse. Je t'en supplie, là, je suis en train de me... Oh, mais je raccrochais sans rien dire, hein. Je suis avec mes chevaux, je suis bien, alors viens pas. Ah oui, c'était beau, hein, tout à l'heure. Avec ces conneries-là. Ah, ils vont vers toi. Ah ouais, eux, ils ont... Ah oui, c'est eux qui ont le champ pour les chevaux. Ouais, eux, ils ont le droit. Tu te calmes, hein. Te calme, j'ai du fumier devant chez moi, me fais pas chier aujourd'hui. Viens, viens, Ruby, tais-toi, t'es trop petite. Ah, bébé, viens. Oui, mon doudou, viens. Non, mais moi, je vais plus chez moi en vrai. Ça donne pas envie de rentrer. Surtout que ça fait 7 ans, au bout d'un moment, tu peux être bon. Polémique autour d'un tas de fumier. Elle est contente. La vie du cheval, une agricultrice a reçu le soutien de la population après avoir vu son compte bloqué en raison d'un tas de fumier trop proche de l'habitation d'un Parisien. Le fumier, c'est naturel. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation au lieu d'aller en justice. Ce monsieur n'avait qu'à se retrousser les manches et donner un coup de main à cette brave dame pour le... Yass encore, hein, a fait son top tweet. Pourquoi elle pleure? Parce qu'elle est émue de sa propre histoire, alors qu'en fait c'est... L'agriculture... T'as pas sorti un film, hein, t'as... Enfin, on parle de moi, enfin, on connaît mon travail. Ça fonctionne pas, mais enfin bon... C'est pas grave. Oh, le cinéma. Oh, c'est un film d'auteur, hein. Le fumier, c'est naturel. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation au lieu d'aller en justice. Ce monsieur, c'est toi. N'avait qu'à se retrouver les manches et donner un coup de main à cette brave dame pour enlever son fumier et mettre ailleurs. Film d'horreur. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce monsieur avait proposé de faire les travaux de sa charge. Il ne veut pas le savoir. Appelle-moi le journal. Ah non. Mais là, j'ai piqué ma crise. Ah lui, ça y est, il commence. Votre fur avec ça pour le mieux. Je vous appelle le journal. Je vais faire bouffer le place à table. 0386. Prends pas une attaque, hein. 45-30. Allô, oui, bonjour monsieur, c'est la rédaction locale. Oui, monsieur, vous j'aimerais êtes... J'aimerais enculer celui qui a écrit l'article. Voilà. Bon, je me présente, hein, c'est monsieur Demure à Bichefan. Oui. Ça fait déjà 15 jours que vous passez des articles sur moi. Alors je me demande comment vous faites les déductions, comment vous faites les analyses pour écrire toutes ces bêtises. Car, monsieur. Nous, on est menacés de mort, on reçoit des lettres anonymes et on est réveillés à toute heure de la nuit. C'est moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça pour m'aider à arrêter cette polémique-là? Oui. Oui, mais, c'est quoi, mais? C'est compliqué, ouais. Il faut venir et puis faire votre métier. Vous faites une petite enquête. Vous regardez si les faits sont réels ou pas. La moindre des choses, c'était d'envoyer votre représentant pour qu'il puisse comprendre l'affaire. Moi, je veux porter plainte contre vous, et pourtant, je ne suis pas, disons, un procédurier. Mais là, vous me mettez dans une situation délicate. Même ma femme, maintenant, vous lui faites faire de la dépression. Mais enfin, merde, qu'est-ce que c'est que ce journal? Elle est encore plus moche qu'avant. Arrêtez votre métier, merde. Maintenant, j'ai un coup de la maison, et tu viens devant. Parce que là, j'en ai marre. J'ai 78 ans, je voudrais vivre tranquille. Ça fait 2 ans que je me suis mis à l'arrêt. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur une bande de fous et de malades. Et puis je suis obligé de vous dire que vous êtes dans les malades. Vous êtes des professionnels ou quoi? Ou vous êtes là pour semer la merde? Oh, Il a raccroché. En plus, il est insolent. Il va rappeler, il va faire « Bonsoir ». Le tas de fumier chez moi. C'est pas le journal. Pourquoi il serait pas dans des remorques? Parce que, les remorques ne sont pas disponibles. Bonjour, pour madame. Le laisser bonjour, dedans. Madame Jeux. Madame Jeux, Daniel Auclin. Président d'une association pour l'environnement. Ah oui, d'accord. Non, Chantal, c'est normal. Elle est là, c'est très bien. Oui, mais va choper 38 kilos, et alors? Et puis toi encore, des maghrébins, et quoi encore? C'est pour le fumier d'un coup? C'est pour le tout. Il a été décidé qu'une dalle serait faite.
raccordée, raccordée de façon à ce que le purin ne reste pas, ne stagne pas, ne rentre pas en terre. Il va où ? Ben venez voir. On va vous montrer. Et donc on va vous montrer ces travaux qui viennent d'être faits. Voilà. Oh, elle aussi, c'est quelle connasse là, putain. Je vais vous mettre en dehors de chez vous. Comptez-vous prendre votre retraite ? Ne parlez pas de ça. Non. Moi, j'ai 63 ans, mais vous, passé, je l'ai prise, et puis j'en suis contente, parce qu'un jour, il faut la prendre. Oui, mais là, non, je ne vois pas, parce que poser la question à eux, ils sont toujours en activité aussi. Elle a 75 ans, elle va avoir 75 ans, on a 10 ans d'écart. Elle est... Oh, 65 oui. Alors. T'as vu elle est toujours en activité, 10 ans d'écart. Je ne vois pas pourquoi. Moi, bah, là, 65. Moi je suis chef d'exploitation, je suis chez moi, je ne suis pas comme celui qui est ouvrier. Oh, il est là, il est là, la puissance. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas de voiture. C'est moi qui vous ai appelé. Alors là, attention, il a pris son point américain. Madame, je ne voudrais pas faire un débat extérieur, parce que ça va terminer très mal. Non. J'ai toute une association contre moi. L'alignement n'est pas bon. Elle est à 10 mètres de ma maison. Mais comme ça, je rêve. Je rêve. Non, mais vous voulez un mètre, madame? Non, monsieur, mais vous voulez un mètre? Non. Vous madame, je ne discute pas. Vous n'allez je vous pas. Dis que je suis à 10 mètres, elle me dit non, elle conteste. Non, je lui donne les dis... éléments de faire la preuve, elle dit non. Ce alors, vous voyez dis... le débat, monsieur, il est mal parti, là. Vous permettez, ce que je dis, c'est que vous avez accepté. Vous vous taisez, je ne sais pas de quoi vous faites, vous n'êtes même pas de billets, vous. Alors. Ah, ah si, monsieur, erreur, elle grave erreur. Elle n'est pas de billets. Elle est comme vous, alors. Ma femme est de billets. Mais vous, ça vous donne quoi? Ma femme, elle a 10 ans de plus que vous, elle est plus belle. On ne doit moi, pas je ne fais pas de monologue. Moi, je veux un dialogue. Moi aussi. Ce qui ne vient pas de lui, ça n'a aucune valeur. Non. Il faut qu'ils aient la primeur. Arrêtez, vous vous faites penser pour un corps social. Et vous avez dépensé 200 000 balles de frais d'avocat depuis que... 200 000 balles aujourd'hui. Oui. Des corps sociaux comme ça, vous repensez. S'il vous plaît, dis donc. Elle n'a rien à dire. Vous écoutez ma leçon. Vous écoutez ma leçon. Et vous faites votre jugement vous-même. Voilà, je crois que c'est mieux parce que là, 1, 2, 3, 4, écoutez, c'est déjà pas mal. Le gros problème là aujourd'hui, c'est le tas de fumier. En plus, bon, ça c'est la nouveauté. Ça. Bah, c'est pas lui le problème là, du coup. Je ne sais pas pourquoi elle l'a mis devant ma porte. Et attendez, madame, hier j'étais obligé d'appeler la gendarmerie pour retirer un placenta qui était juste devant ma porte. C'est pas vrai! Faites voir où il était. Mais si vous étiez pas allé, regardez. Oui, faites voir où il était. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas vu le tas de fumier? Ici, c'est une cour commune. Hein. Vous avez perdu le passage. C'est sa cour, monsieur. C'est sa cour. Non, non, je vous alors là, vous rêvez. Là. Vous rêvez. Là, il était là, là. Le placenta. Ouais, là. Non, c'est pas devant votre porte. Non, non, c'est votre porte. Attendez, oh, le placenta était là. La gendarmerie est venue pour les faire retirer. Ouais, eh ben, je vais retirer. Non, 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 je ne veux pas que vous me touchiez, là. Alors, si vous évitez ça, hein. Ne me touchez pas. Non, mais arrêtez, venez voir. Là, vous me regardez dans les yeux, là. Moi, je regarde dans les yeux, là. J'ai un ami qui me... Ne me touchez pas. Pourquoi vous l'avez touché l'autre jour? Non, parce qu'il était devant ma porte, il me bouchait le passage. Non, vous êtes chez Chantal, ici. Ah, c'est pas vrai, il était là. Vous avez tout ça dans la tête. Vous êtes chez Chantal. Vous êtes des malades. Vous voulez les papiers? Oui, oui, je vais vous faire voir les miens. Non, on ne veut pas. Alors, vous écoutez. Ça me fait penser à un film, là. J'ai mes papiers, vous en voulez pas. Allez vous faire voir. C'est un cauchemar, vraiment. Il y a un film moyen. Avec des ploucs? Non. Un plouc, j'ai jamais trouvé pire. Et puis alors, ne vous approchez pas. Parce que là, la rage va me prendre. Attention, je ne réponds plus rien. Non, mais attendez, là, ils sont en complète en train de déconner. Dites-moi la vraie raison de ce qui se passe. Vous embêtez, madame, juste. Mais attends, bon, là, je ne me serais pas retenu. Là, je ne me serais pas retenu. Hé, toi, t'es un mythomane. Oh là là. Moi, je vais chercher le fusil, là, de mots. Con, là. Et quant à toi, là, si t'es un homme, si c'est un homme, ce mec-là, je veux le voir tout seul. Je veux le voir tout seul, toi. Oh, il est menacé. Oui. Vous avez dit ça. Tout seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous êtes? Vous, je vous connais moi, pas. Moi, je suis sa femme. Ah oui, vous êtes sa femme. Je ne vous tutoie pas. Alors, disons, tu parles d'un cadeau. Pourquoi vous le tutoyez? Je ne vous tutoie pas. Et voilà. Si c'est un homme, je peux le tutoyer. Mais c'est non, monsieur. Je dis c'est un homme. N'accepte pas que vous me tutoyez. Je vais le sucer. Mais tu sais, on n'a pas gardé, les cochons ensemble. Hein. Qu'est-ce que oh, l'expression qui sort. 3 km. N'importe t'es même pas au courant. Quand vous avez jeté Mademoiselle Jeu avec sa brouette de fumier et que vous lui avez balancé son tonneau au mois d'avril 2005. Oh, man. Oh, man, c'est pire. Une brouette de purin sur les pieds. Ouais, bien sûr. Je suis craché à la figure des fois. Et ta fourche que toi. Et puis le Ricard que tu m'as envoyé dans la figure. Ouh, la gueule. Oh là là. Bon, madame.
la presse. Non, mais vous me direz ce que vous voulez voir. Je suis pas là pour vous cacher les choses. C'est un mec honnête. Aujourd'hui, je suis heureux de voir monsieur, parce que j'ai jamais eu personne. Ils ont fait 10 articles sur moi sans m'interroger. Qu'est-ce que c'est que cette presse du centre? C'était le tribunal de H. Merci, madame. Je sors des bas-fonds. Je vais faire évacuer l'Assemblée. Que son père a eu. Moi, je suis né dans une famille de 7 gosses. Et mon père est mort, j'avais 8 ans, on m'a mis à l'assistance publique. Oui. Non, je ne pleure pas, je suis content de mon sort. Je sais évaluer les valeurs et cette dame-là, je l'admire, Chantal. Je l'admire. Oui, ce qu'elle fait, c'est un travail d'année. Le politicien. Et j'en suis conscient, plus que vous, je la vois tous les jours, par tous les temps, sur la neige, le soleil, transporter ses bruits des fourmis. Mais quand j'arrive ici et que je vois des cons qui me disent... Seul parisien, 20 ans, c'est comme les boches, on n'en veut pas. Quand vous avez boches. Ça en face de vous. C'est comme les boches, mais c'est quand vous avez ça en face de vous, et que vous vous souvenez que vous avez fait les barricades contre les boches. Je reviens ici, oui, bon. Vous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais monsieur, moi je ne suis plus d'âge à supporter ces conneries-là. Alors, je reviens sur la question des travaux que nous avons faits. Je me suis rapproché de Chantal. Je connais bien Chantal, c'était la petite sœur de la maison. Mmh. Et je lui ai dit, Chantal... Je vais te mettre aux normes, à mes frais. Je vais te mettre enceinte. Alors là, monsieur, actuellement, espèce de vieux con, t'es pas là pour me régenter. Monsieur, elle m'a poussé à l'extrême limite. Car je ne voyais pas d'autre issue. Oh, écoutez. De faire la saisie de son compte en banque, que je n'ai pas touché, et Dieu merci, cet argent, il est bloqué. Je n'y toucherai jamais. Pourquoi il ouvre la bouche? Vous lui rendrez? Monsieur, je suis un ministre. Vous lui rendrez, parce que oui, je suis là pour ça. Et justement, votre question est bonne. Si elle se mettait dans les règles, je remboursais. Je lui restituais l'argent si elle se mettait dans la réglementation. Or là, il n'est pas question que je lui rende, puisqu'elle est en dehors de la réglementation. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. On me dit que j'ai fait ça pour l'argent. Vous l'avez dit dans la presse. Simplement... Ça se voit qu'il y a du mépris. Aujourd'hui, donc, si Chantageux se met aux normes, si Chantageux respecte un petit peu les distances et ce que vous souhaitez, donc vous lui restituez... Après, elle a 20 vaches dans un 10 mètres carrés. Alors, en ce jour ensoleillé, on va inaugurer les toilettes à foin de merde. Et tous les participants, donc vous accueillir, vous qui avez soutenu Chantal tout au long de cette donc là, tout l'argent, aventure. Non, mais ils ont mis autant d'argent dans un projet aussi pour de vous montrer cette le projet, mais dalle bétonnée qui va donc recevoir le fumier. Nous allons couper le ruban. Mais c'est surréaliste, n'est-ce pas? Mais c'est du RP, vraiment, c'est du RP. C'est juste RP, j'avoue. Vous êtes quelques actions, vous êtes des actionnaires. Il faut avec les moyens du bord, ils prennent des trucs aussi. Et cabron, cabron, on va inaugurer. Ouais. Personne n'a crié. Putain, le bon, je rentre chez moi. Laissez passer. Laissez passer. Hé, c'est vous, hein. On ne bouge pas. Ah ben, non mais non mais non, arrête. Voilà, voilà, voilà. Oui. Ça, je vais lui dire. Non, mais comme si tu avais besoin de passer un moment. Allez, grosse connasse de Chantal de merde. Il le fait, exprès. Oh, le gros doigt qui est forcé. Il le fait exprès. Oh, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Oh non, mais... Non, mais... Chantal, est-ce que vous préférez qu'on... Il peut déménager, là, c'est d'argent, quand même. Ou est-ce qu'on déplace le fumier? On déplace, chauffeur. Get out. Où est le chauffeur? Allez-y. Allez, allez, le fumier. Amenez. Et ça, c'est où, ça? Du coup, ça sera plus chez le voisin, ça. Là. C'est du voisin, c'est du shampoing, là. Il a ouvert le shampoing. Ouais, bravo, ouais. Ouais, bravo, ma Chantal. C'est des fous. Vraiment, c'est des fous. Hein. Ce qui me fait chier, c'est que c'est en France, hein. Pays civilisé, hein. Cinquième puissance mondiale, hein. Ils se battent avec du fumier, hein. Bataille de merde. Bataille de caca. C'est très très grave, hein. Oh, il reste encore 60 ans, putain non, de merde. Bon. Ah,
Il y a encore le bébé. Heureusement qu'elle a pas de gosse, enfin, ou à part si le gosse il est parti quoi. Il en reste là. Là c'est vraiment de la merde, hein, c'est pas. Oui. Elle est balèze, hein, parce qu'elle met pas beaucoup de paille. Hein. Ah bah c'est quand même pas hygiénique. Hein. Du coup en fait. Mais ça sert à rien, c'est ça ce qui a été fait. Ouais. On en vient ah à ouais, ce du coup en fait elle veut pas nettoyer sa merde. Je sais pas où ça se met le fumier. Hein. Il ne reste plus quoi à faire. Hein. J'ai quand même découragé. Non, ça se met, d'ailleurs, ça se met dans. Quand même, moi, je suis bah, quand ça même se met pour le compost, non bah, dans le jardin, tu peux en mettre. Bah, ouais, quoi, ça, elle, elle veut pas le, le jeter ou le donner. Oh, ça finit comme ça. Oh, y a pas une suite. Non, bah, ça a déjà duré une heure. Hein. J'avais juste. Non, mais je veux dire. Il y avait un mec dans les commentaires qui disait que en 2000, je sais plus combien. Bref, elle a été jugée, elle a été condamnée à je sais pas combien. Ah, bah, en gros, elle a reperdu un procès. Elle a pris de la prison là. Par contre, je sais que le vieux là, le mec de Paris, il est mort et pas elle. Oh. Quoi ? Ah bah après, ouais. C'est 10 ans de plus, mais. Ouais, je sais, mais ça fout le somme, tu vois. En vrai, genre. Putain. Elle a ce qu'elle veut. C'était. Ah, mais, c'est... mais c'est vraiment une histoire de fou. C'est vraiment des fous. C'est Resident Evil. C'est de... Tout le village est fou. Il était en train de devenir en mode. Shining à la fin. T'sais, ouais, vraiment, il change. Genre, il fait des doigts d'honneur, il insulte alors qu'avant, si, il parlait un peu. C'est Madame Chantal. Il fait ta gueule, Chantal. Grosse pute Chantal. Là. Grosse pute avec ton pute. Il tire les cheveux là. Ah. Hugo reviendra pas, je pense. Mais bah, malheureusement, Hugo, ouf, hein. Il est encore connecté. Hein. En plus, il est même pas muté, hein. Rien. Il a, pas. Peur, il a pas peur de rien. On s'arrête là. Non. Bah ouais, en vrai, c'était... Veux, ouais, on peut regarder d'autres pour plus tard. Hein. Ah, exactement, vas-y. Là, on l'a vu. Donc, on est vraiment la... la prochaine. Ouais, bah, il y en a des longues, j'aimerais bien voir. Par contre, bah, les longues, moi, les longues, ça me dérange. Elle était longue et... C'était... Moi, ça me dérange pas, les longues, parce que tu suis une histoire complète. C'est ça, c'est ça. Bah, en vrai, c'était vraiment la meilleure. Hein. Parce ouais, que, bah, faut, que bah, dans ce cas-là, je vais vous en montrer d'autres. Parce qu'il y en a qui sont longs, mais qui sont aussi bien. Mais vu que j'avais peur que vous n'oubliez pas, ça dépasse en plus. Bah, c'est juste Hugo, hein. Qui voulait pas, moi je m'en fous. Par contre, les deux mecs Renoir dans Paris, bon, faut les faire foutre. Ouais, hein. Vraiment des fous. Bon, après, quand il fait avec le V-Word, bon bah voilà quoi. C'est... ouais. Faut s'abstenir. Hein. Ouais, ouais j'avais pas que ça. Hein. J'espère que Vanessa va oui, bien. Oui, il y a autre chose. Mais... Vanessa, tu vas bien aujourd'hui l'anglaise. Bref. Parce que du coup, je pensais que c'est 96, ça veut dire que c'est plus vieux que Nez Cassé. Alors que dans les styles, Nez Cassé, là. Bon. Après, ça dépend parce que ils étaient. Tu sais très bien que dans les petites villes, les petits villages, mec, il y a une concentration de. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on l'a vu avec, avec Chantal, quoi. Donc, bon. Enfin, Chantal, quand même, hein. Quelle pute. Bon, débat, Chantal est une connasse ou pas dans le chat? Vous répondez... Allez, fais un petit sondage. Je fais le sondage. Attendez, laisse-moi le faire. Vas-y. Laisse-moi, j'ai les mots. Préparez-vous. J'ai. Stan Chantal, je vois qu'il y en a qui sont fans. C'est Chantal dans le chat. Il s'est formé très vite, hein. Les gars, pourquoi il a... Ah, bah Terra a crashé. Oh non, les gars, je peux pas mettre des mots... Bah, mais tu sais, tu changes par des... Tu changes le mot par, tu sais, un symbole, quoi. Les gars, il est là, le grand pôle de tous les temps. Qu'est-ce que vous pensez de Chantal? C'est une vraie question. Oh les X. Ah moi je vote le 4. Perso je vote le 4. Le 4 il est bien violent genre. Ouais le 4 il est vraiment violent. Ah le 2. Le 2 qui prend le large hein, on dirait. Pour moi c'est une femme. C'est une merveilleuse femme. Pourquoi il y a un mec dans le chat il a 8 points exclamation âge. En mode c'est Chantal. Non mais quel âge a Chantal? Elle a 65 ans. Enfin, 65 ans, ce qui coup, est exceptionnel pour... Elle a 85 ans maintenant, 80 Berla. Bah donc, du coup... Ah ouais, 2007, elle a... Elle est pas elle morte, est pas dit, donc... hein, profitez-en. Elle est Chantal, encore c'est un amour. Merci Tony Oldozo. Vas-y.
Bon, vas-y, merci Théo. Bah, Terra, il est pas là. Bon, bah, installe à Michou, hein. Merci Hugo qui. Bah, il a fait du bruit. Non, mais il se fout de ma gueule. Il regardait le stream, cet enfoiré. Regardez, Pierre. Hein. Bon, j'y vais, je vais remercier mes subs. Vas-y, insulte-le, ce connard. Bon. Merci, hein, Julie, pour les 15 subs offerts. Merci beaucoup. Enfin, Julie. Gérard, bien sûr. Gérard, petite banane, qui est le mari de Chantal. Merci, Schweyer, pour les 7 mois d'affilée. Merci, Runaris, pour les 4 mois. Frus, pour les 8 mois. Merci, Rekas, pour le Prime. Tiens, hop, je mets une petite pub. On mérite que ça, de toute façon. J'en ai mis aucune fois pendant l'émission. Hop. Merci, mon toutuf, pour le tir. Ah, d'ailleurs, Sophie, merci aussi pour le tier 2 hier, là. J'avais pas tilté que c'est vrai que le tier 2, c'est... Merci beaucoup, Sophie de 10. Merci, Timord. Merci, Bo, pour le Prime. Merci d'utiliser ton Prime pour ma gueule. Merci, Ivaka, pour les 100 bits. Merci beaucoup pour les bits. Merci Théo pour les 3 mois. Merci à nos steak pour le Prime. Merci MEXDM pour le Prime 3 mois. Merci beaucoup pour vos Prime. Là, je vois beaucoup de Prime. Merci NavB007 pour le Prime. Trix57 pour le Prime. Merci Pierre pour le Prime. Merci Michel pour les 100 bits. Merci beaucoup. Skynopple pour le Prime aussi. Je sais pourquoi Grim, c'est qui a offert un truc à Grim, c'est Ah oui, c'est Gérard. Tu me fais chier à t'appeler Gérard maintenant parce que je vais t'appeler Gérard. Non, je sais pas, Hugo, attends. Hugo ? Oui, pote. Je vais te foutre une tarte hein, dans la gueule. Je suis en live encore là. Je sais, j'ai des explications. Hein, vas-y, raconte-moi ta merde là. Parce que nous, on a regardé une vieille qui mettait de la merde, donc il se passait la même chose, je sais pas. Mais tu vas pas me croire encore. Vas-y, vas-y. Non mais, je te raconte pas l'histoire. Rêve pas, je te raconte. Je descends juste pour aller me chercher à boire et je vois Emmanuel qui galère à déplacer des trucs dans le jardin. Et du coup, à côté de la piscine, il y a le filtre avec un énorme tuyau. Elle fait, tiens, ça fuit. Je fais, bah, rêve pas, moi je vais toucher le tuyau, tu vas voir ce qui va se passer. Il y avait deux petits trous, du coup je me suis dit, bah attends, je vais juste le replacer pour pas que ça fuit trop, et demain on le remplace. Du coup je le tourne un petit peu, et là le truc il se fend en deux, du coup il y a tout qui se vide dans le jardin. Et je fais, rêve pas, appelle ton père qui nous ramène un tuyau, parce que là je te dis pas. Et je suis resté 20 minutes accroupi comme une merde à tenir le tuyau avec un chiffon pour pas que ça coule trop. Je suis en stream, Emmanuel, tu fais chier. Rêve pas. Elle fait, mais attends, mais retrouve-les, non? Parce qu'ils vont t'attendre. Je fais, non, bah, je te vois bien écarté. T'aurais dû regarder par téléphone dans le tuyau, là. J'aurais dû t'appeler. Je me suis dit, mais rêve pas. C'est dommage, t'as raté le meilleur. Bah, en vrai, il était. C'est lequel que vous avez regardé? Il était. Fumier. Fumier classique. C'est la vieillasse qui met du fumier devant chez les voisins. Ah, mais vous avez regardé celui de 50 minutes? Bah, en vrai, celui de 50 minutes, ils sont mieux, Hugo, parce que tu suis une histoire de bout. Ouais. Ouais, il explose. Il est tombé. il a dit ouais pour faire genre, il s'est rien passé. Il s'est pris une chaise de Stone Cold dans le dos là. Attends, mais du coup, le striptease que j'avais regardé, ouais, la prochaine fois, il faut qu'on regarde Recherche Bergère désespérément. 54 non, moi, minutes. Moi, je m'en fous que ça dure longtemps. Mais Terra lancera, ou toi, au pire, tu lanceras un striptease. Ouais, avec plaisir, mais le bergère, Recherche Bergère désespérément, vous allez péter un câble. Vas-y, bah j'arrête le stream. Le tas de fumier, putain. Merci Hugo. Allez, arrête-moi cette merde. Rêvez pas, les mecs. Bon, voilà. Pota, vous pourrez regarder ça sur l'After Ciné, c'est pas trop long. Bah non, du coup, on fait en stream. Ça vaut plus le coup de le regarder en stream. L'After Ciné, c'est pour les films et tout. Bergère, on le regarde pas. De toute façon, moi, j'en ai presque regardé aucun. C'est pas trop mon truc. Red Jean, on va le faire. J'espère que Jean a du fumier chez lui. Donc, attends. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de réac. C'était quoi? Je m'en rappelle plus ce que j'avais fait. J'avais fait l'Antoine de Maximi, là. Ça fait longtemps. C'était avec quand il y avait un certain R dans le. Dans la caca box. Bref, je verrai Jean. Dites-lui bonjour, il est à la ferme. C'est notre petit Jean national, le King, le GOAT.
Lui aussi, il a Chantal à côté de chez lui. Donc profitez-en. Et par contre, lui, il laisse pas les vaches dans un 10 mètres carrés, hein, ce connard. Lui, au moins, il s'en occupe bien. Allez, ciao tout le monde. Merci pour tous les subs. Merci pour le soutien. On se laisse. Ciao tout le monde. Ciao. Son frigueur, caca box, si beau trop moche, caca box dans ton salon, caca box sous les pétoches, caca box chez toi bouffon, caca box c'est les plus beaux, caca box zéro puceau, caca box c'est un mytho, caca box il y a Faigo, caca box objectif lune, caca box objectif tu, caca box aucune ombre, même si Ecrisio casse les couilles. C'est vrai qu'il est casse-couilles. Ouais. Il nous fait tout chier ce connard. D'ailleurs Rémi aussi il nous fait chier avec ce speedrun de merde. Il faudrait que je dise à Potable d'arrêter de DM ma soeur. Elle est mineure hein. En tout cas tout le monde est... Caca. 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 Caca, caca, caca.